Salut, c'est Antoine de la SRG Drift Team. Je viens aujourd'hui vous présenter les pneus Eknova avec lesquels on roule en compétition depuis plusieurs années. Depuis qu'on roule avec, on est au niveau de voitures qui ont plus de puissance que nous. Rapport qualité-prix, je pense qu'actuellement, il n'y a pas grand-chose de mieux sur le marché. Donc je vous recommande vraiment d'essayer ces pneus, vous n'en serez pas déçus. Sur le round numéro 2 du championnat de France de drift, toujours ici au Val d'Argenton avec Vincent pour m'épauler. Salut Vincent. Salut Tom. On est de retour pour les battles des top 32. Vous avez eu l'occasion, si vous êtes présent sur la piste, de voir la E30 Old School Crew qui fait des baptêmes VIP là en l'occurrence. C'était Vodka, le youtubeur qui était à l'intérieur, il a découvert ça au même titre que Étienne Moustache, si vous suivez ça, qui a découvert un petit peu la discipline hier. À côté de moi, vous avez toujours Billy et Nono qui sont présents à la caméra. Juste à côté d'eux, vous avez le troisième juge qui n'est autre que Gradiano. Grazagno en charge la télémétrie et aussi le jugement, c'est pour ça qu'il est hors champ, parce qu'il a ses PC devant lui, voilà, il fait pas mal de choses. Oh, la direction de course, on a toujours notre ami Romain Fournier qui gère d'une main de maître cette compétition. Et regardez-moi, on vous voit là sur le live sur le public, levez les bras dans le public, qu'on vous voit sur les caméras, levez tous les bras, on vous voit, voilà, vous êtes magnifiques. Ah là 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 là. Juste dantesque cet événement. Merci à vous public d'être venus aussi nombreux. Je vous propose sur vos écrans de découvrir la piste. C'est une asphalte, difficulté 4/5, vitesse max 114 km/h. Il y a 7 clipping points dont 2 zones de clip, d'une longueur totale de 400 m. Je parle de 400 m, c'est la longueur de la ligne de départ à la ligne d'arrivée, bien entendu. Alors, une petite différence par rapport à ce matin, on va vous expliquer les règles. Le but, là, c'est qu'on a deux pilotes, un leader et un suiveur. Le leader doit faire un run qualification, viser maximum de points possible, faire un run qui soit chassable et respecter les zones d'accélération et de décélération. Il y a des zones qui sont imposées, en fait, par les juges où le pilote, par exemple, ne doit pas freiner, tout simplement. Il y a des zones comme ça. Derrière, vous allez avoir le suiveur, qu'on peut appeler aussi le chasseur. Le but pour lui, c'est de ne pas déclencher plus tard que le leader, maintenir un maximum de proximité et avoir au moins l'angle, le même angle que le leader, si ce n'est plus si possible. Synchroniser aussi les transitions. Les transitions, c'est le moment où la voiture passe d'un côté à l'autre. C'est assez rapide, c'est assez impressionnant. Et quand c'est synchronisé, c'est très beau. C'est très beau et c'est ce qu'on aime voir, de la fluidité. On en a eu hier déjà, beaucoup de spectacles étaient au rendez-vous. On a vraiment un circuit propice à ça. On retrouve déjà à l'image Antoine Amar, le meilleur qualifié de ce matin face à John Tena, le 32e donc, meilleur qualifié du coup de ce matin. Et c'est parti pour Antoine Amar, leader avec la Nissan S13 Eknova. Suivi par John Tena, le pilote de la 370Z. Antoine Amar qui signe encore une fois la pole position ce week-end. La pole position, bien double sûr, performance de la part du pilote du team SRG. Et là, il a pris un envol considérable, Antoine Amar, sur son adversaire John T. C'est assez compliqué, mais ça revient ici peut-être un petit peu sur cette partie-là. Attention, Antoine qui est mort un petit peu de l'intérieur. Fait le parcours déjà, voilà, on a découvert ensemble un petit peu. Les premiers battles, du coup on a pu découvrir la piste. Voilà, vous voyez un tracé assez fin en termes de largeur de piste. On est sur du 8 mètres, donc c'est ce qui fait un petit peu la difficulté également du parcours du Val d'Argenton. Avec les replays by Eknova, les replays, regardez sur les drones, une petite sortie de roue. C'est ça qui lui a fait perdre beaucoup de vitesse. Regarde, on a vu qu'il perdait pas mal de vitesse à cet endroit, à cette zone-là. Donc forcément, dès qu'on met une roue d'erreur, c'est une perte de motricité pour le véhicule. Et quand on a une machine de guerre pilotée par Antoine Amar qui est leader, ça, c'est quasiment impossible à rattraper. Quasiment impossible à rattraper. Et surtout qu'on a remarqué qu'Antoine, non seulement il allait vite, mais aussi il mettait beaucoup d'angle. C'est ce qui lui a permis d'aller chercher cette pole position ce week-end. Il était juste extraordinaire. Maintenant, John T, que vous avez face à la caméra, il se tape sur le casque, il est motivé. Le pilote suisse, prêt à s'élancer cette fois-ci en tête. Et avec un pilote
Antoine Avard dit Nervous qui va rien lâcher sur ce round numéro 2. C'est parti. Bon détachement, un petit peu en retard pour Antoine par rapport à Jonty là qui a un petit peu d'avance ici. On arrive déjà sur le clip numéro 3-4, c'est validé. Le cinquième ici, Nervous, peut-être qu'il va plonger à l'intérieur. Oui, il est à l'intérieur, il est en tout cas sur la ligne de son adversaire. Jonty qui vient chercher le clip numéro 6. Vous voyez ici, on va pouvoir peut-être dive. Sur ligne d'arrivée, très beau battle de la part d'Antoine et John. C'est un très beau battle. Alors, on n'est pas venu chercher le contact. Par contre, la proximité a été la même quasiment du début à la fin. Et ça, c'est une belle performance de sa part également. Allez, donc le battle vient de se terminer. Les adversaires se sont donc affrontés l'un contre l'autre. On a vu les voitures s'arrêter pour récupérer les boîtiers de télémétrie derrière. Voilà, on est en comparaison grâce à l'écran splitté. Le premier et le deuxième run, on peut voir une différence notable de proximité. Il y a environ 10 mètres qui séparent la première voiture de la seconde sur l'image de gauche. Tandis qu'à droite, Antoine est à moins de 3 mètres en termes de distance. Donc on voit Antoine bien meilleur en termes de proximité, ce qui devrait jouer un petit peu à son avantage. Les juges ont l'œil sur plein d'autres points qu'on ne voit pas forcément. Donc à voir. Bob ici à la ligne d'arrivée va nous donner le résultat dans quelques instants. Vous voyez ici Judge Voice, les voix vont s'orienter vers un côté ou l'autre. Une voix, deux voix, trois voix pour Antoine Amar. Victoire d'Antoine Amar, on peut l'applaudir. Excellent travail d'Antoine Amar, excellent travail. Bien joué, félicitations Antoine. Rendez-vous donc en top 16 pour Antoine. Rendez-vous donc en top 16. Place maintenant à la battle suivante, Jérémy Germain, Hugo Lavedan. Je les entends se préparer sur la warm-up zone. Le temps pour moi d'accueillir quelqu'un à mes côtés. Eh ben c'est pas Vincent, c'est Étienne. Salut Étienne, bienvenue à toi. Ça fait plaisir de te voir aujourd'hui, de te retrouver. Ça va, tu m'entends? Hop là, voilà, je t'emmène le micro. C'est mieux. Écoute, tu découvres la compétition ce week-end? Je sais que tu suivais quand même un petit peu tout ça. Je découvre IRL la compétition. Je la connaissais en virtuel, mais je la découvre IRL, donc un bonheur. Bonjour à tous sur le live, bonjour dans les tribunes. Avec quelqu'un qui essaie de passer derrière nous. Oui, bonjour à tous dans les tribunes, bien sûr, sur le live. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à marquer si vous ne connaissez pas Étienne. Étienne, regarde, on n'a pas les voitures sur la piste, j'en profite. Où est-ce qu'on peut te retrouver dans un premier temps? Eh bien, du coup, moi, sur YouTube, sur la chaîne d'Amixem. Ok, 7 millions d'abonnés. Avec les 4 loulous, là. Et sinon, sur mes réseaux sociaux perso, donc principalement Instagram, Twitch, Étienne Moustache, partout, TikTok, tout ça. Voilà. Étienne Moustache. Et je ne sais pas pourquoi tu t'es appelé comme ça. Je sais pas, mais j'avais pas l'idée. Je me suis dit, tiens, Moustache, ça sonne bien. C'est facile. Au moins, on est sûr que c'est toi. C'est ça, exactement. Au moins, on est sûr que c'est toi. Et du coup, est-ce que tu as des questions que tu pourrais te poser sur les battles, sur les qualifs, une règle que tu n'aurais pas compris ou que tu aurais envie de faire connaître à tes viewers? Eh ben, je t'avoue que depuis jeudi, je commence quand même à bien assimiler tous les rudiments de la compète. C'est une bonne chose. Donc ça, c'est cool. Et moi, le but, c'était justement de faire une petite vidéo pour vous faire découvrir un peu à tous ceux qui ne connaissent pas du tout. C'est de faire un truc que tout le monde va pouvoir comprendre. Ouais. Que je vais poster en fait après sur mon Insta. Ok. Voilà, donc faire découvrir cette magnifique discipline qu'est le drift. Ok, bah écoute, une super discipline, ça me fait plaisir que t'en penses du bien. Je sais pas si t'as vécu en tout cas l'ambiance pendant la manche numéro 1. Est-ce que ça t'a rappelé des belles époques du sport auto ou autre chose? Ouais, ce qui est génial, c'est de voir qu'il y a énormément de configurations différentes, des pilotages différents, puis ce système de top 32 où justement c'est le meilleur des qualifications qui va affronter celui qui a fait la moins bonne performance au qualif. Ça permet de créer des moments assez magiques parce que des fois, en fait, justement, il y a quelqu'un il y a un outsider qui va pouvoir peut-être venir créer la surprise. Exactement. Et ça, c'est incroyable, ça fait du bien.
Exactement. Et en termes de complicité publique, est-ce que tu as pu ressentir un petit peu l'émotion? Mais je crois qu'il y a une ambiance de folie au Val d'Argentan, ça fait plaisir. C'est un truc de dingue, ça fait plaisir de retrouver ça. Écoute, je vais te proposer de regarder avec moi la prochaine battle. Alors, c'est pas Jérémy Germain et Hugo Lavedan, on est passé à une battle suivante. Là, j'ai devant moi Laurent Cousin, où est-ce que je l'ai sur mes fiches? Je le vois pas forcément, Lolo. Avec Kevin Josou, Laurent Cousin. Si c'est là, donc on a sauté une battle. On est passé à la battle numéro 3. Très bien. Oui, Tom, il y a Hugo Lavedan qui a demandé la règle des 5 minutes. Ok, d'accord. La règle des 5 minutes, c'est une règle qui l'autorise à avoir 5 minutes de répit pour réparer, pour être présent plutôt en zone de chauffe. Ok. S'il a un problème mécanique. Par contre, elle ne s'applique pas entre deux runs. Très bien, ok, oui. Uniquement avant de se présenter. C'est ça, exactement. Et alors, si t'as bien suivi, qui est-ce qui va s'élancer en leader là? Là, c'est Kevin Josou qui part en leader. Oh, bah vas-y. Et Kevin Josou qui va passer en suiveur sur le second run. Déclenchement là directement. Ben, un super déclenchement de Kevin Josou, j'ai l'impression. Ouais, c'est pas mal. Ça prend bien les deux premiers clips. Ok, il enchaîne, il a un petit peu plus éloigné sur le quatrième clip, clip 5 aussi. Là, tu vois Laurent Cousin. Il est un peu en retard, ouais. Il est un petit peu en retard. Il est pas à son aise ce week-end, Laurent. On le sent un petit peu en difficulté sur la position de suiveur. Ouais, il a été super bien en leader, Kevin Josou. Hein. Ah ouais, il a été vraiment bien. C'est vraiment ce qu'on lui demande. Le but, c'est vraiment de respecter la trajectoire qualif. Voilà. Respecter la trajectoire qualif, qui est une trajectoire aussi qui permet au suiveur d'être là, si tu veux. Parce que l'objectif, à la base de tout, c'est de faire un spectacle. Oui. Mais ça reste une compétition. Le but, c'est vraiment d'aller s'aligner correctement. C'est presque de la danse en duo avec des voitures. C'est très chorégraphique. Exactement. Ouais, il y a un petit peu de chorégraphie. Et là où les difficultés sont sur un tracé comme celui-ci, si tu veux, et toi qui l'a essayé sur le simu qui est monté aussi en passager, c'est que si tu rates, si tu transfères un tout petit peu trop tôt, un tout petit peu trop tard, un tout petit peu trop trottoir, c'est très bien aussi. Si tu rates un tout petit peu trottoir, eh ben tu vas dans le trottoir justement, tu vas le manger le trottoir, tu vas à l'extérieur ou à l'intérieur de la piste, mais en tout cas ça va plus sur un ou deux virages qui s'enchaînent derrière. En fait, Kevin Josou, il a pris un élan incroyable sur la zone d'attaque. Cousin, il a pas pu rattraper en fait tout le long, malheureusement. Laurent, hier, m'a expliqué qu'il avait eu quelques coupures. Par exemple, juste au démarrage, j'ai eu une coupure moteur. Ces préparateurs ont regardé à distance ce qui s'est passé. Il y a une coupure, le moteur est redescendu à zéro, puis a repris ses tours. Et ben, c'est parti pour le match retour avec du coup Laurent Cousin en leader. Sans une grosse différence de puissance. Oh, c'était très proche sur la zone d'attaque. Ça n'a pas dérangé ni l'un ni l'autre d'ailleurs. Non, visiblement. Et Kevin Josou qui est déjà bien, un petit peu plus de proximité. Ah, il attend un petit peu plus droit sur le transfert. Ah, il essaye de gagner du temps. Ouais. Oh là, c'était très proche là sur le transfert. Il essaie de gagner du temps, il essaie de remonter. Le but, c'est d'avoir une trajectoire plus intérieure. Regarde, il coûte un tout petit peu plus tôt là. Voilà. Et pour finir sur la ligne d'arrivée. Ah, il a bien plongé sur le dernier virage. Hein. Il a très très bien plongé sur le dernier virage, exactement. D'après toi, t'as un prono? Alors, t'as le droit d'avoir un prono. D'accord, moi, okay. Je m'évite de me prononcer. Ouais, bien sûr. Mais dans tous les cas, c'est ces trois personnes-là, qui sont à notre droite, qui vont se prononcer. Donc, bah, mon pronostic, là, je pense que malheureusement, ça va être compliqué pour Laurent Cousin. Hein. Kevin Josou a été, enfin, super run leader. J'ai pas vu beaucoup de corrections. J'avais pas eu de regrip, donc pas de faute vraiment notable. Peut-être là. Ah oui! Il y a une petite erreur de Kevin sur le transfert au niveau du clip 3. Donc c'est discutable en fait finalement. C'est exactement, tu vois, c'est ce genre de petits détails. Tout à fait. Et encore j'en ai raté. Hein. Et encore j'en ai raté, mais eux ils sont 3 et ils sont là pour pas les rater. C'est pour ça que je vais montrer en fait sur la vidéo de droite sur votre écran, vous avez Kevin qui en tant que suiveur a fait une légère erreur sur son transfert. Est-ce que ça va lui coûter la victoire? Je sais pas. Je peux pas savoir. Du coup, ouais, avec ça, c'est vrai qu'il n'y a rien de fait, en fait, moi, je trouve. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut vraiment beaucoup peser dans la balance, plus que la proximité, en fait, finalement. Oui, bien sûr. Ah oui, mais carrément. Une grosse erreur, c'est bien plus que dommageable. Mais... One more time, le premier one more time du week-end. Voilà, go. Exceptionnel. Etienne, franchement, je vais te laisser aller profiter du spectacle. Bah, merci je te beaucoup. Remercie vraiment d'avoir été avec nous ce week-end. Et va kiffer dans le public, va te faire plaisir avec les autres. Merci beaucoup Tom pour cet accueil et puis on va redonner le micro à Vincent. Super, merci à toi Etienne, passe une bonne journée et amuse-toi bien. Le premier one more time de la journée, le premier one more time du week-end. Et juste
Bon, si vous ne connaissez pas la règle du One More Time, si vous êtes novice dans la compétition, je vous explique ce que c'est. C'est que les juges qui sont à ma droite n'ont pas réussi à départager. Ils ont considéré que les deux pilotes avaient fait soit autant d'erreurs, ou soit leurs erreurs éventuelles étaient équivalentes. Et, bien, en et fait, par conséquent... Si tu veux, Thomas, je peux t'expliquer. Oui, vas-y, explique-moi. La ligne était meilleure en tant que leader pour Laurent Cousin. Il avait une meilleure ligne leader. Et il y avait plus de proximité de la part de Kevin Jozou en tant que suiveur. Donc effectivement, on n'a pas pu les départager. On leur redonne une seconde chance à ces deux très bons pilotes. Eh ben très bien, bonne nouvelle. Bonne nouvelle, on va avoir encore du spectacle. Vincent qui est de retour à mes côtés. Oui, j'étais encore en train de me faire les réglages de micro. D'accord, ok. Allez, ça fonctionne. Ça fonctionne. Bon, très bien. Eh bien, tant mieux. On va avoir du spectacle avec Antoine et... Laurent Cousin. Oui, parce que je suis parti, c'était encore Antoine Amar. Kevin Jozou, effectivement. Et Hugo Lavedan qui a pu revenir après à la règle de ses 5 minutes. Hugo Lavedan contre Jérémy Germain. Alors en fait, c'est Jérémy Germain, j'ai une mauvaise info. Oui. C'est Jérémy Germain qui a demandé la règle des 5 minutes. Pouli Damper qui est cassé sur son moteur, il ne pourra pas prendre le départ. Ok, donc on va assister à ce qu'on appelle un run. Le pilote doit faire un run qualif. Il doit pas, voilà, il va rouler tout seul. Automatiquement, il sera qualifié pour la suite, mais il doit prouver au juge qu'il est quand même capable de drifter selon la ligne imposée par les juges. Exactement. Alors Byron, si on traduit mot à mot, il n'a pas acheté le run. C'est pas ça. Non. C'est que son ça veut dire bye, c'est B-Y plutôt. Ça pourrait être bye bye aussi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est comme un bypass en fait. Ça permet de passer à côté de cette qualif. Donc Hugo Lavedan qui passe donc en top 16. Voilà, donc il a validé, il a prouvé au juge. Alors dans le cas où il n'arrive pas à le faire, les choses sont plus compliquées. Jérôme Bourgoin, Nuno Pinto sur la startline, un duel de BMW E30, un duel 2v8. 2v8 qui vont s'affronter face à vous. Sur votre droite, vous avez Jérôme Bourgoin avec la BMW orange, suivi par la BMW noire et verte de Nuno Pinto. Et top déclenchement. Nuno qui vient de suite à la proximité. Jérôme est un petit peu large, il en profite. Oh là là, le contact Nuno Pinto, qui ne stabilise pas du tout Jérôme Bourgoin, c'est magnifique. Ouais, je sais pas Nuno, ce il a eu peur de casser, je pense. Il a eu peur de. Vu qu'il a tapé dans les trains, c'est un peu dangereux. Ça a dû faire beaucoup bouger le volant. C'est assez. Je pense qu'il a peur, il s'est arrêté. Il a peur d'avoir cassé quelque chose. Jérôme Bourgoin continue effectivement son parcours. Il reste sur sa ligne. Ça n'a pas déstabilisé pour autant. Un petit peu large à la fin, mais. Il sait qu'il part avec un avantage de toute façon sur ce run, il sait que son adversaire s'est arrêté. Ah, il est déçu. Et j'espère qu'il n'y a rien d'autre quand même pour Nuno, que tu as bien raison, qu'il s'est juste arrêté pour par précaution. Alors il y a en tout cas, je vois son aile qui est pliée, qui rentre un peu dans son passage de roue exactement. Peut-être que ça bloque un peu, il a peur d'avoir cassé le train, donc ce qui est logique, hein, parce que ça a bien tapé. Et quand on tape, surtout, en fait, si vous voulez, on a le volant dans les mains, et au moment où ça impacte. Et ben c'est comme si quelqu'un vous tournait le volant, c'est quelqu'un comme si vous tapiez sur un trottoir, si ça vous est déjà arrivé, mais très très fort. Et là on va revoir le replay justement. Ouais. On ralentit. Ah, en fait il a perdu le contrôle tout seul, hein. il vient tout droit. Il a bien plié la calandre effectivement, l'aile avant. Et elle vient bien s'appuyer dans le. Ah, il est peut-être bloqué. Il a peut-être freiné la roue. Ouais. Alors après, hier, il a eu des problèmes de direction assistée. Il a dû partir faire fabriquer un flexible en urgence. Et ça ressemble bien à un problème de direction. Alors je ne veux pas m'avancer, hein, mais ça ressemble à un problème de direction. Est-ce qu'il ne serait pas bloqué? Et il y a un voyant aussi qui s'est allumé. Oui, il y a un voyant qui s'est allumé. Après, pour la carrosserie, les voitures sont extrêmement flexibles. Elles sont en fibre. Ça paraît beaucoup de dégâts, mais souvent, c'est pas énorme. Non, mais ça pourrait peut-être éventuellement bloquer la roue, juste en passant au mauvais endroit, et on aurait l'impression d'avoir une direction cassée, étant donné qu'il ne peut pas sortir de son véhicule, il ne peut pas le savoir. Ouais, ça a bien tapé, il a plié l'avant de l'aile avant gauche. Après, j'ai pas l'impression. Alors, ce qu'il y a, c'est que va falloir faire une géométrie, ça c'est sûr, mais j'ai pas l'impression. Et surtout, faudrait regarder tout ce qui est raccord, parce que dans ces cas-là, le raccord il peut avoir. C'est bon, il est reparti par la route, il peut avoir pas de mécanique entre deux, hein, donc il faut qu'il reparte comme ça. Il peut avoir faibli, le raccord peut avoir faibli et cassé. Sur un appui, un freinage. Ça nous est déjà arrivé de voir une voiture qui avait un petit peu tapé. Ça avait affaibli un petit peu le train. Et regardez, elle n'a plus rien. On la voit arriver, elle n'a quasiment plus rien. Elle est neuve la voiture. Allez,
En drift, ça suffira, esthétiquement parlant, on a vu pire. Il essaie de garder le pouvoir. Ok, mais... Check-up sécurité, c'est le plus important, on regarde si... Et en sachant que les leaders, là, on regarde s'il n'y a rien qui peut tomber, qui peut déstabiliser tomber, le suiveur. Il n'y a rien, il n'y a rien du tout. On arrive. C'est bon, là, elle passe au contrôle technique, parfait, là. Écoute, en tout cas, Alexandre, il a contrôlé, il a trouvé que c'était bon, c'est parti pour Nobito, un leader. Allez, rien de grave, ça déclenche sans problème. Jérôme Bourgoin derrière, un petit peu en retrait. Jérôme Bourgoin, s'il ne fait pas d'erreur, il a la run, il a l'avantage la run, ouais, il suffit de ne pas faire d'erreur, même s'il est là pour le coup, il est certes beaucoup plus lent. Il est certes beaucoup plus lent. Attention à ne pas se laisser trop dispenser, hein, s'il prend un méga boulevard et qu'il ne fait pas le run. Les juges peuvent décider de lui attribuer un 0. Les juges peuvent décider de lui attribuer un 0 s'il ne fait pas la run correctement. Et ça pourrait lui faire mal. Ça pourrait lui faire mal. Après, c'est à eux de décider s'il a été assez proche ou pas. Ou en tout cas s'il y a des erreurs majeures ou pas. Bon, sur la battle numéro 1, malheureusement, c'est très bien ce qui s'est passé sur la run numéro 1. Run numéro 2, il y a une erreur, j'ai l'impression qu'il a fait perdre un peu de temps au début. Giro, peut-être qu'il a appréhendé aussi cette partie de virage, sachant qu'il s'est fait percuter juste avant. Il se dit peut-être que le pilote qui est devant moi a du mal sur cette zone-là ou a eu un problème sur cette zone-là, on ne sait pas. Et du coup, il est un petit peu ralenti sur cette zone-là, il s'est laissé distancer. On va voir si un vainqueur a été désigné par les juges. Replay by Zeknova Tires. Voilà les pilotes ici, près de Bob. Et c'est une victoire de Jérôme Bourgoin, exactement, Vincent. Vous l'avez compris, dès que deux juges donnent la voix à quelqu'un, de toute façon, il a gagné. Jérôme Bourgoin qui a été malin sur son retour. Il n'a pas pris de risque, il savait qu'il avait l'avantage et il en a profité. Le retour du One More Time alors que les pilotes sont acclamés par le public. J'aimerais vous faire partager, c'est dommage, on n'a pas de micro ambiant dans le public, je vous jure que c'est ouf, c'est oufissime. Ils sont vraiment énervés ici. Il y a encore plus de monde qu'hier, on voyait encore les marches pour monter dans les gradins. Aujourd'hui on ne voit plus les marches, ils se sont assis partout où c'était possible d'être. Oui, et si vous voulez... Je compte même s'ils pouvaient être sur le toit, ils s'y mettraient. Si vous nous entendez dans le public dans les gradins, vous avez la piste qui est un petit peu plus ouverte. Si vous continuez après les gradins, vous avez... d'autres possibilités de vous installer. Et c'est parti, top déclenchement. Laurent Cousin derrière, un petit peu en retrait. Est-ce qu'il va faire le travail pour remonter dans la porte de Kevin ici peut-être sur le transfert? Non, toujours pas. Kevin qui continue son petit bonhomme de chemin. Il est sur sa ligne, un petit peu loin du clip intérieur. Est-ce que Laurent Cousin là? Dernier virage ici. Laurent qui dive un petit peu. D'arriver. C'est pas un tracé où Laurent Cousin est très à l'aise. Je pense que ça manque de rapidité. Avec la prépa qu'il a, effectivement, je pense qu'il est plus à l'aise sur les tracés plus rapides. Peut-être un peu plus de vitesse. Un circuit comme Rantaire-Noir, peut-être lui conviendra mieux. Alors, le beau passage de Kevin Jozou là en tant que leader sur ce One More Time, justement. Voilà, on profitait de ce replay. Donc on a pu voir Laurent Cousin assez incisif sur le dernier virage. Allez, c'est à son tour d'être leader. Allez, il va rester concentré sur la route. Kevin Jozou, voilà, qui fait un petit jump start, qui prend un petit peu d'avance donc pour ne pas se faire distancer par Laurent lors de l'accélération. Voilà, on voit Laurent lui recouper la trajectoire pour le transfert. C'est bien pensé, hein, en tout cas de la part de Kevin, ce jump start, ça lui permet d'être à la proximité sur le run retour. Attention à ne pas trop couper les trajectoires non plus pour Kevin Jozou. Laurent Cousin continue sur la bonne trajectoire. Également, il impose une belle ligne pour Kevin Jozou derrière, ça lui facilite la tâche en tant que suiveur. Magnifique dive ici de Kevin qui
vient laisser un petit peu l'herbe à la sortie du virage. Très beau run retour. Beaucoup de proximité pour Kevin Jozou. Et voilà le replay, un écran splitté. C'est beau quand même. On va voir Kevin ici là qui cherche la proximité. Ouais, juste à la fin, t'as raison, il vient un tout petit peu s'élargir. Il vient faire un beau nuage, un beau panache de fumée, mais avec la terre. Quoi qu'il y en a qui ont ramené des cornemuses, il me semble, dans le public. Je ne sais pas, faites du bruit des si vous en avez. Des vous là. On entend quand même un peu le public à l'image. Enfin, le public fait plus de bruit que les voitures. C'est dingue. Vous êtes fous, Val d'Argenton. Vous êtes fous. Extraordinaire. Alors que les juges ont redemandé le replay. Ça analyse encore. J'ai l'impression qu'ils se posent du coup encore des questions. Et ben deux pilotes qui se valent. Deux pilotes qui se valent. C'est une bonne nouvelle. On adore voir ça. C'est pas exactement ce que cherchent les juges. Continuons ensuite. Le résultat s'affiche maintenant sur nos écrans. BMW 82 d'un côté, Nissan S14. C'est une victoire de Laurent Cousin. Victoire de Laurent Cousin. Billy, je vais te laisser revenir sur cette victoire qui vous a pris du temps pour la prise de décision. Oui, effectivement, Tom. La différence, le run leader de Laurent Cousin est meilleur que celui de Kevin Jozou. Bien qu'il manque de proximité et qu'il ait la dernière transition qui soit un peu désynchronisée, Kevin Jozou coupe la trajectoire pour mettre de la proximité. Ok, il sort deux fois une roue à l'extérieur, alors que Laurent Cousin, en tant que suiveur, s'applique à rester dans la ligne de son leader. Ça fait deux erreurs pour Kevin Jozou qui sont un peu grosses. Il n'y a pas que la proximité, si vous voulez, sur une battle. Exactement, pour avoir de la proximité, comme me dit mon collègue Nuno, il coupe la ligne. Alors on peut le faire, mais ça peut aussi desservir comme dans ce cas-là, par exemple. Ok, très bien, merci pour toutes ces informations. Billy, la prochaine battle est déjà présente sur la start. Quentin Deleplanc, Dylan Kenak qu'on découvre un petit peu plus sur le championnat, même si on l'a déjà vu plusieurs fois, mais il vient affronter un pilote connu et reconnu dans les paddocks. C'est Quentin Deleplanc. Les voitures du Street Racing Garage que tout le monde connaît déjà. Dans les couleurs emblématiques sur le championnat sur depuis de nombreuses années, elles ont été apportées par Antoine Amar, ancien champion de France par le passé. Dylan Kenak à la fin en difficulté. Il est en difficulté, mais il est droit, il a arrêté le drift. Notre ami Dylan Kenak qui va laisser l'avantage pour le moment à Quentin Deleplanc. Attention, il pourrait très bien faire un recrip à son tour, mais pour l'instant il est très très bien parti Quentin pour faire un 1-0. Dylan est bien parti pour faire un 0. 1-0, 1 contre 0. Ah oui, d'accord. 10-0, voilà. Ça sera plus simple. Il est bien parti pour avoir l'avantage, sur cette battle, pas de confusion. Ah, c'est une victoire servie sur un plateau, en fait, hein, pour l'instant. Général. Mais tu sais qu'on a vraiment vu... Souvent, ça arrive. Je sais pas si tu as suivi certaines années. Oui. Depuis qu'on est ensemble, c'est pas arrivé, ça va. J'ai pas le souvenir que ce soit arrivé. En même temps, tu m'as dit que ça faisait à peine un an que tu étais avec nous. Et même pas encore. Même pas encore un an. Mais en tout cas, c'est déjà arrivé qu'une erreur aussi fatale, on va dire, sur un run numéro 1, qui donne 100% d'avantage à un pilote, soit complètement remise à zéro, enfin remise en question sur le run numéro 2 avec une erreur majeure par exemple de l'autre pilote justement, qui fait que ben là en ce cas-là, de toute façon la seule solution, la seule sortie ici pour cette battle, c'est un one more time ou un vainqueur. Et si c'est un vainqueur, ben ça sera Quentin.
Alors je crois qu'on m'informe qu'il aurait cassé un quart d'heure apparemment. C'est la règle des séries sur cette compétition. Alors c'est bizarre parce qu'il avance. Ah oui, il peut avancer s'il a le pont soulé. Oui, oui, ou un autobloc. Autobloc, dans tous les cas, aussi, il avancera. A priori, ce serait un cardan. Alors oui, effectivement, j'ai l'info. Hein, il abandonne, casse de cardan, Dylan Kenak. Ah, les véhicules ont ramassé pendant deux jours. Ils ont. Ah, c'est le problème de la dure vie des mécaniques sur une voiture de course comme celle-ci. Elles prennent énormément. Là, elles se sont secouées. Vous avez vu en plus avec les différents freinages, des freinages intensifs, des blocages de roues, des réaccélérations. Forcément, les cardans ont du mal à suivre certaines fois. C'est des organes fusibles un peu avant qu'autre chose ne casse. En tout cas, Quentin a validé son run retour, son une sorte de bye run finalement. Et je pense que la victoire va lui être attribuée. Le public juste devant les banderoles de nos partenaires. Exactement, regardez-moi ce monde. Regardez-moi ce monde. Levez la main dans le public, on vous voit sur les caméras. On vous voit, lever la main. Levez les mains dans le public, on vous voit, vous êtes là ou pas? Non, ils sont pas là. Si, ils sont là. Je crois qu'ils sont là. Ils nous entendent pas. Ou alors ils nous entendent plus. Ça arrive des moments que ouais, on a des coupures micro. Sur la piste là, juste au niveau des. On va voir si c'est ça. Parce qu'ils étaient chauds et quand on les chauffe, je vous garantis que ce public il est juste extraordinaire. Ça fait un flop, ça fait partie du jeu. Hein, quand on. Regardez comme ils sont chauds, ils crient comme des dingues. Et c'est une victoire de Quentin Delplanque, forcément, on peut l'applaudir. Allez, Quentin qui va regagner le paddock. Après, il se peut qu'il nous entende pas parce qu'il crie. Il crie déjà tellement. Top 16. Je disais, il peut qu'il nous entende pas parce qu'il crie déjà tellement. Et un autre pilote qui a des soucis sur sa voiture, il m'expliquait que son travail était en fait légèrement tordu. Et c'est pour cette raison qu'il n'arrête pas de casser des cardans. C'est Jérémy Mérirès. Il pensait à ça, oui. Il pensait à ça, effectivement. Et je lui ai proposé de mettre plus de pression, donc moins de grip. Il m'a dit non. Il m'a dit non, c'est soit je vais à fond, soit j'y vais pas. Donc en espérant pour lui que ça tienne, allez c'est parti pour Jérémy Mérirès face à Lou Fourel, un affrontement de U92 donc. L'un connaît très bien sa voiture, l'autre la découvre et on le voit à l'image, ça a l'air très compliqué pour Lou Fourel qui est venu pulvériser le clip Exis Energy Drink deux fois, qui fait des road grips notre ami Lou Fourel, il a arrêté la glisse ici. En tout cas Jérémy Mérirès, ça tient bien. Est-ce qu'il a tenté du bluff peut-être sur la communication de son travailleur? J'espère qu'ils l'ont à ce moment-là, j'espère que les mécanos l'ont remis droit, tout simplement. Tout simplement, entre midi et deux, ça a dû bosser forcément. On ne mange pas dans le panneau. Entre midi et deux. Non. On fait des. Pour les mécanos, on ne mange pas. Non. Il y a d'autres moments. On fait des réparations. On peut manger à ce moment-là pendant la battle. C'est le moment où on peut grignoter, même manger, je sais pas si c'est le mot. Ah, Lou Fourel qui était. Qui est en difficulté. Qui était bien parti au début. Il a regrippé complètement son train arrière a grippé ou son train avant a sous-viré. Et là, il a pulvérisé le clip. Et il s'est coupé pour gagner, ah oui. Et il a coupé allègrement. Hein. On est en train de faire un échange standard pour le clip. Alors qu'on fait des vérifications techniques, hein, on voit en pré-grille les membres du staff faire les vérifications auprès de la voiture de Lou. Ouais, juste vérification de sécurité toujours, parce voilà, que donc, surtout qu'il va s'y lancer en tant que leader. Ça tient bien. Allez, c'est bon, on donne le signal que c'est OK. Il peut y aller, Lou Fourel. Il n'y a plus qu'à repartir. Voilà, bon, mais il aura baptisé sa voiture, ça y est, il a cassé le pare-choc. Oh, il y a un petit bras à refaire, c'est pas grave, ça va le faire. Numéro 138, Lou. Run numéro 2.
800 chevaux d'un côté, 800 chevaux de l'autre. Le même châssis, 2M3. Donc les caisses se valent. Allez, c'est parti pour Lou Fourel qui a pas mal d'avance là sur le départ. Jérémy Mérires qui peut-être va tenter quelque chose, le champion de France en titre. Est-ce qu'il va venir à la proximité? On le sait, joueur en tout cas. Ah oui, c'est certain. Ça devrait revenir. C'est pas parce qu'il a l'avantage qu'il va refaire. C'est très large ici pour Lou Fourel. Il en a profité pour monter sur Jérémy. Et oui, ça profite à Jérémy du coup. Ça profite même très bien à Jérémy. Le transfert sur le dernier virage jusqu'à la ligne d'arrivée. Tout s'est bien passé pour les deux pilotes sur ce run numéro 2. On va aller donc sur la zone de résultats pour désigner le vainqueur de cette battle. Y a-t-il un vainqueur? Y a-t-il un vainqueur? Oui ou non? Alors qu'on peut revoir les replays qui nous sont livrés par notre partenaire. On dirait que la voiture de Lou à gauche sur son premier run, quand il était suiveur, on dirait qu'il n'a pas pu relancer la machine quand il a voulu relâcher l'embrayage et reprendre les gaz. Ah, donc suffit, les roues n'ont pas patiné, il est allé tout droit. Ah ben, il suffit de ne pas être dans la plage du turbo, c'est fini. Hein. Même si le turbo est même dans sa plage, mais pas au maximum de sa puissance, il y a tellement de grip avec une préparation comme ça, avec des pneus comme avec un setup comme celui-ci, il y a tellement d'accroches au sol que forcément, si le moteur n'est pas assez haut en rime, jamais de la vie on réussit à. Des moments, c'est même l'embrayage qui fait fusible quoi. Trois voix pour Jérémy Mérires qui passe le top 32 aujourd'hui. Bravo à lui. Malheureusement, l'aventure s'arrête ici ce week-end pour Lou Fourel qui a quand même pu accéder au top 32 aujourd'hui. On profite de cette caméra statique pour les pilotes regagner leur paddock. Un autre pilote du team Banet Sport, Jason Banet. Il est chaud, Jason, il a envie d'y aller là. Il va rien lâcher. Il est monté sur la plus haute marche du podium pour la manche numéro 1. Il était premier, il a tout détruit hier. Il est là une seconde fois pour réitérer l'exploit. Il part en leader grâce à sa meilleure qualification. Et top départ contre Sébastien Farbos au volant de la BMW 36 bleue et blanche. Sébastien qui va devoir affronter Jason Banet sur ce run. Ça va être compliqué, hein, Jason qui est motrice énormément, qui va très très vite, même sur ses transferts, ça va très vite. Clipping numéro 6 ici. Sébastien Farbos a essayé de trouver les ressources pour remonter. Clipping numéro 7, le transfert un petit peu en décalé pour Sébastien. Il accuse un petit peu de retard sur son numéro 1, Seb, mais croisons les doigts pour lui, ça devrait se passer un petit peu mieux pour le run numéro 2. Attention Sébastien, parce que dans ta portière ou dans ton aile, il se peut qu'il y ait une BMW 1M qui vienne te chatouiller un peu. C'est possible, effectivement, quand on voit Jason Banet, la manière dont il est catapulté d'un virage à l'autre ici. Regardez, hop, le transfert ultra rapide, tandis que son adversaire est encore dans le sens opposé. Il finit son premier virage. Jason, là, ici, pareil, transfert, il est déjà dans le virage du raccord. Alors que Sébastien Farbos a un peu de difficulté à venir le chercher. La ligne d'arrivée, ils sont déjà en place les deux pilotes. Voilà, Sébastien Farbos sur la place de leader, hein, à lui de déposer sa ligne ici, chacun son tour. Voilà, on capte l'attention des pilotes et on leur donne le départ. C'est parti pour le run retour. Déjà à l'assaut, Jason Banet. Déjà à l'assaut, incroyable. Il est sur les freins déjà, on le voit, Jason, il se freine pour pas venir percuter. Oh là 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 là, quelle proximité, même sur le link entre le clip 4 et 5, clip 6 ici,
il va pouvoir remonter encore quelques instants, il est pas loin du contact, au clipping numéro 7, le transfert, le dernier virage jusqu'à la ligne d'arrivée, et ça lâche pas, ça va jusqu'au bout. Il a eu un tout petit peu peur quand même que Sébastien Farbeau se mette de mettre deux roues dehors et perde beaucoup de vitesse. Belle analyse de la part de Jason qui était suiveur sur cette battle. J'ai l'impression que c'est reparti comme hier. Il a envie de recommencer. Ah oui. Sa quête de victoire. Il est en quête. Il est en quête pour la victoire aujourd'hui encore, Jason Bonnet. Et il se freine énormément. Sébastien qui est beaucoup plus lent sur le premier virage en fait. Hein, par rapport à Jason, on peut le voir ici également. Jason plongé, il a les bonnes trajectoires. Un châssis un petit peu plus court également, donc ça l'aide pour le transfert. Sur la zone des résultats face à un public en folie. Comme d'habitude, victoire de Jason Bonnet. Victoire de Jason. Et oui, félicitations, vous pouvez l'applaudir. Effectivement pour Jason. Là, je peux te confirmer qu'ils nous entendent dans le public. Ça, c'est sûr. Allez, vous regardez tranquillement. Il n'y a pas de aucun... Fin de l'aventure pour Sébastien donc ce week-end. Alors que on a Nicolas Jouard et Nicolas Dufour. Le battle de Nicolas que tu as souligné ce matin, ils arrivent. Ils sont là. On entend les moteurs. Nicolas Dufour tourner. Qui va avoir la chance de participer au top 32 aujourd'hui. Par rapport à hier où ça a été un petit peu plus difficile. Il n'était pas sur une bonne journée, je pense, samedi. Alors, on a vu Nicolas Jouard prendre un jump start pour ne pas se faire distancer par Nicolas Dufour. Oh, Nicolas Dufour, très agressif sur le déclenchement, en tout cas. Il ne s'est pas qualifié hier, ouais. Il est là pour se rattraper aujourd'hui, il ne va rien lâcher. Ça, c'est sûr. Il a une très très belle ligne en tout cas, toujours autant de fluidité, Nicolas Dufour qui a l'habitude de faire des petites spéciales de rallye, de faire des démos de drift sur des spéciales de rallye, donc il connaît bien les tracés sinueux normalement et serrés comme ça. Et regardez, il maîtrise très très bien cette voiture équipée d'un moteur 340 chevaux et allégée jusqu'au moindre boulon. Super travail de Nicolas Jouard, Nicolas Jouard derrière aussi en battle, bien gérer la proximité de sa part, ça a été aussi simple pour lui. On regarde au déclenchement ici. La synchronisation n'est pas là, mais en tout cas, il a tout fait. Regardez un bon dive. Il réussit à garder la proximité. On a deux voitures à peu près similaires hein, finalement. Ouh, là, ici, ça replonge et il se fait un petit peu avoir. Ouais, Nicolas, il est trop intérieur du coup. Nicolas, joueur du coup. Il faut préciser lequel. Le transfert ici. Et là, il est encore venu un petit peu oui. Revenir. Ah bah là il est mieux placé que lui sur cette partie là du tracé. Il est bien au milieu et il arrive à transférer au bon moment. Et justement vu que le leader Nicolas Dufour lui est très extérieur, ça permet d'avoir plus d'espace à celui qui le suit pour venir chercher comme on dit la portière. Nicolas Jouard leader donc. Suivi par Nicolas Dufour avec la BMW 30. On a un petit peu le même type de châssis finalement. Les 30 compacts sont similaires. Plus synchronisés sur les déclenchement. Ouais, le Nicolas, déjà pas passé loin. Nicolas qui fait un tête à queue. Oh, incroyable. Qui arrête son drift. Nicolas Dufour qui nous a pas habitué à faire ce genre d'erreur. Qui nous a jamais habitué à faire ce genre d'erreur. Oh là 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 là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben c'est pas son week-end à Nicolas Dufour, mais c'est le week-end de Nicolas Jouard du coup. Il était bien parti sur le run numéro 1 et il aura bien fini sur le run numéro 2.
Effectivement, il est bien parti pour chercher la victoire, en tout cas sur ce battle. On les voit porte ouverte pour enlever la chaleur qu'il fait dans l'habitacle. Il fait très chaud dans les habitacles des voitures. Oui, tous les pare-chaleurs ont été enlevés pour alléger la voiture. Dans les voitures de compétition, il n'y a absolument pas de pare-chaleur entre le moteur et l'habitacle, entre la boîte qui passe sous le pont sur les boîtes avec les propulsions. Elle passe vraiment près de vos jambes, en fait, la boîte. Elle est vraiment près de vos jambes, avec même l'arbre de transmission qui passe entre le passager et le conducteur. Tout ça, normalement, vous avez ce qui s'appelle des pare-chaleurs qui permettent surtout de ne pas transmettre la chaleur du moteur vers l'intérieur de l'habitacle. Je peux vous garantir que le jour où vous l'enlevez, vous sentez la différence. C'est impressionnant. La ligne d'échappement, d'ailleurs, aussi, tout équipée de pare-chaleurs au-dessus d'elle, ce qui n'est pas le cas. Allez, les voix vont vers Nicolas Jouard. On s'en doutait forcément après un spin, on le rappelle, spin. C'est un tête-à-queue, c'est ce que vient de faire Nicolas Dufour sur son run retour en suiveur. Il est parti en tête-à-queue et donc aura un 0 sur sa note et laisse l'avantage à Nicolas Jouard. Bravo Nicolas Jouard. La première partie du top 16, elle est là face à vous. Vous aurez Antoine Amar contre Hugo Lavedan, Laurent Cousin contre Jérôme Bourgoin, Quentin Deleplanc contre Jérémy Mériret et Jason Bonnet contre Nicolas Jouard qui vient de remporter donc cette battle. Place maintenant à l'autre partie du top 32. Et on aura donc Jérôme Esteban contre Guillaume Gliot qui a déjà rejoint la start line. Et on peut voir à la caméra Romain à l'image, le directeur de course. Il est là, on le voit un peu dans le carré. Effectivement. Avec le drapeau FFSA Drift. Et voilà, Jérôme Esteban, un leader qui sera suivi par Gléo. C'est parti, on a entendu crier Jérôme. C'est parti, il a raison, il se motive. Deux loustiques qui se connaissent dans les paddocks qui se voient. Je vous garantis qu'on peut avoir du beau spectacle ici avec une battle comme celle-ci entre un Jérôme Esteban qui est leader et qui a tendance à bien aimer la proximité dans les battles et un Guillaume Guillaume qui commence à se sentir de mieux en mieux au volant de cette Toyota Supra. Même si c'est difficile de suivre la cadence avec la S14 fluo de Jérôme Esteban. Transfert ici. Continue, lâche pas, transfert jusqu'à la ligne d'arrivée. Et c'est un beau passage. Très très beau run de la part des deux pilotes. Le replay sur le déclenchement et on revoit tranquillement le passage clipping 2, là, la zone de clipping numéro 2. Il a eu déjà un petit peu de retard avec la Toyota Supra. Il s'en sort bien, il reste fluide quand même. Allez, sur le dernier virage, il cherche la proximité, on entend le public. Hein. Allez, papa. Allez, papa. C'est qu'ils sont pas loin, ils doivent être dans les zones de Jérôme. Dans les zones scooter. Exactement, ils doivent pas être loin de nous. Et attention, ils sont juste au-dessus. Top départ, run numéro 2. Là. Allez, c'est parti. Il a déjà beaucoup d'angle, notre ami Jérôme Esteban sur le déclenchement. Il se met pas à son avantage du coup. Il se rattrape oui, après, il va remonter. Suite à la proximité. Ça va être dur dessus la cadence. Il faut remonter doucement et grappille mètre par mètre. Centimètre par centimètre. Jusqu'à la ligne d'arrivée, il est un petit peu dans la fumée de la Toyota. Et ça y est, close combat. Terminé pour ce run, pour cette battle même. La S14 Switch Rider. Que vous revoyez en replay actuellement.
va revoir les battles. On demandera justement à Billy nous expliquer après le résultat. On lui demandera de nous expliquer les résultats de cette battle. Si peu importe le résultat d'ailleurs, que ce soit One More Time, que ce soit un vainqueur. On n'a pas eu le résultat encore. On va attendre encore le résultat. On a mis Billy. La musique a entendu Billy sûrement. Ils ont entendu parler, c'est ça. Ils ont entendu. Oui, on est encore en train de taffer dessus. Est-ce que le résultat est en faveur de Guillaume Gliot? Guillaume, avec la Toyota Supra qui remporte la victoire, Billy, du coup, explique-nous tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a une grosse erreur de la part de Jérôme Esteban en suiveur. Ce n'est pas son habitude, mais à partir du déclenchement, il a une correction au déclenchement. Il a eu du mal à suivre. Enfin, c'est pas qu'il a eu du mal à suivre Guillaume Gliot. Je pense qu'il a laissé de la distance, sachant qu'il est plus rapide et qu'il s'est fait surprendre. J'ai l'impression. Oui, après le déclenchement, voilà, effectivement. Pile poil à la fin de l'attaque zone, il a mis trop d'angle. Ensuite, il a un petit peu corrigé pour rattraper la proximité derrière Guillaume Gliot. Lui, Guillaume, il a gardé sa ligne qualif. Il a fait ce qu'on lui demande au briefing. Hein. Il a été chercher ses clips. Il a fait ses transitions, comme on peut le voir là sur la fin. C'est ce qu'on avait demandé, milieu de piste. Il n'a pas été chercher trop la ligne. Derrière, Jérôme a essayé de rattraper son retard, mais c'est déjà trop tard. Sur le premier run, Guillaume, en tant que suiveur, n'a pas fait vraiment d'erreur. Alors, effectivement, il n'a pas trop de proximité. Mais il fait ce qu'on lui a demandé au briefing, il suit la ligne de son leader au détriment de la proximité, mais il suit la ligne de son leader. Très bien, merci Billy pour ces explications. Rendez-vous donc pour la battle qui va opposer Damien Fréchet à Florent Mathieu, déjà présent sur la start line. C'est Florent Mathieu que vous avez face à vous sur la caméra. Il est très concentré, les deux mains sur le volant. Ah, c'est pas le moment de conduire à une main, de regarder par la fenêtre. Le but étant. Et t'as le départ, voyez les feux qui s'allument. Allez, c'est parti. Florent Mathieu, 14e en qualification contre le 19e, Damien Fréchet. Allez, il était premier à un moment donné, Florent Mathieu, ce matin en qualification. Beau transfert, Damien Fréchet ici, il va se faire enfermer. Et ouais, et il était forcément. Trop proche. En tout cas, super esprit de Florent Mathieu qui s'est pas laissé faire. Il s'est pas laissé déstabiliser en tout cas. On l'a vu dépasser un peu le bout du capot là sur le virage. Pour les novices qui rejoignent et qui apprennent la compétition, il est interdit pour le suiveur, de doubler le leader. C'est totalement proscrit. La seule raison pour que le suiveur puisse doubler, c'est une erreur majeure du leader. Et cette erreur, ça pourrait être uniquement un tête à queue ou deux roues dehors. Ou une casse moteur qui fait que. Enfin, une casse qui fait qu'on puisse forcément doubler. Là, il vient chercher l'extérieur. Il se pousse un peu. Il y a contact. Ça l'accompagne un peu, notre ami Florent Mathieu, qui est sur les freins. Et du coup, ça déstabilise par contre aussi beaucoup plus Damien que. J'ai l'impression que ça déstabilise quand même beaucoup plus Damien avec la 36 que Florent Mathieu avec la S13 blanche. Damien, toujours. Ah. Toujours la banane quand on le croise dans les paddocks. On l'a 36, le SAE46, c'était la voiture qu'il avait avant. Oula. Oui, on voit un exemple justement où le suiveur a doublé le leader. Coupure moteur sûrement pour Damien Fréchet. Enfin, Mathieu n'a que d'autre choix que de le doubler. Il a complètement arrêté là, il s'est rien passé pour Damien, je pense qu'il a cassé quelque chose. J'ai l'impression que c'est pas la journée des cardans. Hein. C'est pas des transmissions. Quelque chose, mais ouais. Il roule au pas.
il roule vraiment ou pas. Florent, vas-tu? Ouais, ça ressemble à une transmission cassée, a priori. Pour avoir été dans les paddocks un petit peu, j'ai vu qu'ils avaient des pneus de plus en plus tendres en fait, et de plus en plus de grippe. Et forcément, les transmissions, elles tiennent pas. Elles finissent par casser. C'est le problème sur pas mal de... Oui, c'est l'utilisation de pneus semi-slick, les pneus de nos partenaires. Voilà, c'est l'utilisation de pneus de très bonne qualité avec une grosse motricité. Je le dis, je le répète, peut-être que je vais me rabâcher. Il y en a qui vont dire que j'ai déjà dit. Bien sûr que j'ai déjà dit, mais je le dis pour les nouvelles personnes qui rejoignent soit le live, déjà merci d'être sur le live, soit le public. Il faut se sortir à l'esprit que pour drifter, il faut un pneu qui glisse. C'est totalement faux. Il faut un pneu qui accroche le plus possible, parce que nous, notre objectif, c'est d'aller le plus vite possible. Et c'est une victoire de Florent Mathieu. Et oui, on peut l'applaudir quand même, Florent Mathieu, félicitations à lui. Bravo Florent. RDV en top 16. Un rendez-vous donc, Florent, en top 16. Et nous, je vous propose de se donner rendez-vous après une courte page de publicité. Je vous propose de découvrir les partenaires du championnat de France de drift. À tout de suite. De retour sur le tracé du Val d'Argenton pour la suite des battles du top 32. On devrait avoir le droit à la battle qui va opposer Jordan Lapelosa suite à sa très bonne qualification en 6e position et Mickaël Perrotet qui a su démontrer, qui a su nous faire lever, que ce soit nous dans notre cabine et qui a su faire lever le public. Bref, de belles battles en perspective. En attendant, on peut profiter de cette petite interruption pour remercier tous les partenaires, mais aussi remercier le circuit du Val d'Argenton de nous accueillir ici sur un complexe extraordinaire avec... Ils ne savaient pas qu'il y avait un public aussi extraordinaire que ça, mais ils sont comme des fous, ils sont en train de chanter. On a l'impression d'être dans un stade de foot, mais dans un stade de drift. Voilà, il n'y a pas mieux en fait. C'est un stade de drift. Voilà, une chance, une aubaine d'avoir ce circuit à nos côtés. Exactement. Ça apporte en plus de la nouveauté au championnat. Ça remet tout le monde un peu sur un pied d'égalité. C'est un tracé qui est intéressant, difficile, hein, assez serré, assez court. Alors, profitons-en pour remercier, je disais, nos partenaires tels que Jacob Sport qui s'occupe de la préparation de nombreux véhicules sur la compétition et notamment qui est là pour la réalisation d'arceaux sur mesure.
Bien sûr, Zecnova, les pneus semi-slicks, mais aussi Zestino qui nous rejoint cette année. Torx Drift School, si vous voulez, si vous souhaitez, désirer et apprendre à drifter, c'est l'école dans laquelle vous devez vous rendre vraiment. Vous allez piloter déjà des voitures d'exception, des 370Z, ils en ont 3 en général. Enfin bref, ils en ont plusieurs. Vous allez pouvoir vous régaler, peu importe le niveau d'ailleurs. Vous avez des instructeurs pour vous aider et vous pouvez avoir la voiture pour, si vous le souhaitez, vous pouvez même avoir la voiture pour la journée. Bref, c'est assez libre. Je vous invite à vous rendre sur le site internet. J'en profite pour remercier aussi Clutch Driftwear, bien entendu, les avis qui sont disponibles au shop du championnat de France de drift, mais aussi sur la boutique en ligne du championnat de France de drift. Ça a été imaginé et dessiné par la Red Team. Et l'objectif, c'est que ça rentabilise un petit peu la Red Team, c'est assez important. Clutch, donc, cette marque streetwear. J'en profite pour remercier, vous les avez déjà vus bien ce week-end, Exis Energy Drink, notre partenaire boisson pour ce week-end. Mais ils ne font pas que des boissons, ils font aussi du vinyle de marquage, donc tout ce qui est adhésif. J'en profite aussi pour remercier LiveApps Result, qui n'est autre que notre partenaire sur la télémétrie. Bien entendu, OC Prod, OC Productions, que vous pouvez retrouver sur Facebook, YouTube ou Instagram. Vous allez retrouver les highlights du championnat de France de drift. Ils sont juste magnifiques, avec des mises en scène géniales. Et pour finir, bien entendu, EVO qui est votre partenaire pour la mise en vente de vos véhicules en ligne. Si vous êtes professionnel et que vous disposez d'un véhicule ou de plusieurs véhicules à vendre, il peut se faire en charge de créer le site et il vous facilite la tâche pour la mise en vente de votre parc automobile. Et vous découvrirez grâce à eux bientôt d'ailleurs les véhicules du championnat de France de drift en 360 degrés. Vous pourrez vous rendre sur le site internet du championnat de France de drift et vous pourrez découvrir les véhicules de vos pilotes préférés à 360 degrés. Donc si vous n'avez pas eu la chance de passer dans les paddocks et de faire le tour, ben, je vous inviterai à aller voir le détail sur le site du championnat de France de drift. Et ça arrive prochainement. Ce qui va arriver aussi prochainement, oui, c'est d'autres manches. La battle oui, qui arrive effectivement. Vous les avez, ouais, ils sont à l'image. Jordan Lapelosa. Moi je voulais dire, tu as raison, c'est vrai que la battle arrive, je voulais dire ce qui arrive prochainement, ça va arriver vite, c'est les prochaines étapes du championnat de France de drift. Regarde le monde qu'il y a dans le public, ça va être compliqué de trouver une place. Alors je vous rappelle que les billetteries pour les autres compétitions, pour les autres rounds du championnat, sont ouverts à partir de la semaine prochaine et que vous pouvez acheter un pass saison, d'ailleurs participer à toutes les courses avec une réduction bien sûr. Toujours plus avantageux que si vous participez, si vous payez course par course. Disponible bien entendu en nous suivant sur les réseaux sociaux. Attention, Jordan Lapelosa qui est leader sur ce run avec une super qualif face à Michael Perrotto, top départ. Oui, très incisif sur le déclenchement qui prend pas mal d'avance, Jordan. Michael qui revient dans l'apport de Jordan, transfert sur le clip numéro 3, Jordan très gourmand là sur l'air. Michael qui vient chercher la proximité, attention. Ah, il suit très bien. Il a raison de suivre très très bien. Jordan qui a peut-être un petit peu la pression. Oh là 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 là, belle séquestration. Oh là 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 là, j'avais anticipé le transfert de Jordan. Toujours aussi énervé Michael Perrotet, incroyable ce pilote suisse. Sortez-vous tout de suite des clichés de la tête que les Suisses sont des endormis. Hein. Vous tout de suite se sortir ça de la tête. Regardez-moi comme il est énervé. Le transfert ici. Cut un petit peu là. Une petite erreur du leader. Et là en fait ce qui se passe c'est que il reste à l'arrière, Michael Perrotet. Il reste à l'arrière. Et en restant à l'arrière comme ça, et ben, il fait la même erreur, il s'élargit beaucoup plus. Ah là, le transfert, il est magnifique. Il est venu avec de l'angle, c'est incroyable l'angle que nous a mis
Mickaël Perrottet ici au transfert. Allez, Mickaël Perrottet leader cette fois-ci, qui sera suivi par Jordan qui fait un petit jump start pour ne pas se faire distancer. Oui, il ne se fait pas distancer, il est déjà à l'attaque, Jordan Lapelosa et Mickaël Perrottet avec un beau déclenchement. Ici une petite correction bien entendu pour essayer de garder la proximité. Mickaël Perrottet toujours leader, le transfert ici, va pas falloir se laisser avoir justement entre clip 2 et 3, entre clip 3 et 4. Ici vous êtes au 4, le clip 6 pardon, qui arrive maintenant à l'instant. On enchaîne les deux derniers virages, le transfert et bientôt la ligne d'arrivée. Ça y est, c'est fait, c'est passé pour les deux pilotes. Ça va être compliqué de les départager. Ça va être compliqué, effectivement. Il y avait de la proximité en début de run pour Jordan. Qui conduit très bien, qui pilote bien cette E30 Touring notre ami Jordan. Il la connaît très bien malgré qu'il ait fait une préparation toute récente. Notamment changer de moteur pour passer sur un V8 américain. Voilà, on les a en comparaison avec les deux pilotes. Qui regagne la zone des résultats. On va voir les résultats dans quelques instants. Et c'est une victoire de Mickaël Perrottet. Félicitations Mickaël, rendez-vous donc en top 16. Bon, j'ai dit que ça allait pas être facile, malheureusement on a vu il s'échauffe. Allez Mickaël, regarde ta voiture, on a une course à faire. Allez Mickaël Perrottet, donc en top 16. Je vous le répète parce que du coup je suis en train de l'écrire. Voilà, si vous voulez savoir un petit peu les backstage, je suis en train d'écrire ce que je vous dis pour que je suive un petit peu. Et si vous l'avez bien suivi, on sait que c'est au tour de Jocelyn Jeannin, le pilote français, face à Armindo Martins, le pilote portugais. Belle image de voir ça. J'en profite pour si les pilotes nous entendent dans les paddocks. Apparemment il n'y a plus de voiture en prix, c'est un peu dommage hein, ça va être je pense qu'on allait assez vite, ça s'est facilement enchaîné. Donc il reste la battle après Jocelyn Jeannin, Mendo Mantis, c'est Benjamin Bouvès, Frédéric Adam. Ensuite Sofiane Yazid, Stéphane Saad, Geoffrey Jouan et Yvon Busson. Et pour finir Mathias Locatelli, Benoît Le Maire. Et c'est parti, top départ pour Jocelyn Jeannin et Armindo Mantis. Allez, Jocelyn Jeannin qui a une avance considérable là sur Armindo Martins, qui met beaucoup d'angle. Armindo, attention, il a arrêté la complètement la drift. Les deux. Oh, double arrêt de la glisse. Oh, c'est un double zéro sur ce premier passage. Il a cassé. Jocelyn, il a cassé quelque chose. Il a dû cacher quelque chose. Il va dans l'herbe immédiatement pour pas polluer la piste peut-être. Double zéro là sur ce alors premier passage. Alors là, les gars, on a passage. Un cas très très rare qui arrive très rarement en drift. Bah, c'est un double zéro. Ah oui, c'est vrai. C'est un double zéro. On a Armindo Martins qui se foire. Qui se rate, oui, qui est à la limite du spin. C'est un zéro. Et on a le leader, on ne sait pas pourquoi, Jocelyn Jeannin, je pense à la suite à une casse, qui arrête aussi le drift sans avoir été dérangé par son suiveur. Double zéro, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Je t'avoue que je suis un peu inquiet parce qu'on a vu souvent la voiture fumer hier pendant la course. Il est allé jusqu'au top, bah, il a allé jusqu'au podium, il est monté sur la troisième marche du podium, Jocelyn Jeannin. Et bien c'est un cardan, c'est un cardan cassé pour Jocelyn Jeannin. Et il ne peut plus avancer malheureusement. Et il ne peut plus avancer et pas de mécanique entre deux runs. Bien donc, entendu, ça oui. Malheureusement pour lui, je pense que ça va s'arrêter là. Hein. Et
Alors, on va revoir ce qui s'est passé au replay. Il était en retard déjà, il avait l'avantage, Jocelyn. Il dive très bien pour le coup, il arrive à remonter très rapidement. Ouais, sauf qu'il accélère beaucoup trop, il se loupe. Voilà. Et Jocelyn casse au même moment, avec évidemment quelques mètres d'avance, mais au même moment, les deux pilotes arrêtent leur drift. Je suis pas sûr que si ce soit juste une casse cardan, s'il le fait monter sur le. Je pense, soit. Par moi, il y a eu un très gros bruit, j'ai entendu. À l'oreillette, qui avait un très gros bruit mécanique. Soit une casse cardan ou soit une casse de pont. Si vraiment il peut plus rouler, c'est potentiellement le pont, en espérant que c'est pas l'arbre de transmission qu'on a déjà vu casser. Hein. Ça, on a déjà vu des arbres de transmission broyés. Il y a des arbres de transmission qui sont faits sur mesure en Kevlar carbone, un mélange de Kevlar et de carbone. C'est beaucoup plus résistant. Qui encaisse beaucoup plus la puissance. Malgré ce qu'on pourrait penser. Il y a des entreprises spécialisées. Alors il se fait tracter. Alors a priori, il n'y a pas de casse de fuite. On le ramène pas à la route, donc pas de fuite d'huile, etc. Sur nos replays, fin du virage numéro 2, on voit des. Avec le zoom, on voit des morceaux de cardan ou des morceaux de débit qui volent, a priori, du cardan de Jocelyn Jeannin sur la piste. Ah oui, d'accord. On fait contrôler la piste pour pouvoir nettoyer et on va reprendre la compétition. Si, en plus, c'est plutôt important, si un pilote vient à glisser à cause de ça, ça c'est pas son avantage. Et on voit là-haut, là, dans le public, on a un chauffeur de salle fantôme, on ne sait pas qui c'est, mais... Ah si, si, moi je sais qui c'est. Hein. Ah, tu sais qui c'est. Oui, oui, je fais ma petite dédicace aujourd'hui. Je fais une petite dédicace à Bastien Boulot. Bastien, si tu m'entends dans le public. Mais tu l'as trouvé. T'es au top. Continue comme ça, Bastien. Si, si, je l'ai retrouvé, t'inquiète pas, c'est la première chose que j'ai cherché hier. il s'est occupé. J'espère qu'il est encore là aujourd'hui d'ailleurs. En tout cas, il n'avait rien lâché. Et c'est top départ pour Amine Martin, son Byron. Oh là là, en tout cas, il a le mérite d'être généreux, même s'il est en Byron, il a le mérite d'y aller. Hein. Attention, parce qu'il a zéro, sur le premier run, qu'est-ce qui se passerait là si il partait en attaque? Il se passerait pas grand-chose parce qu'il n'y a pas de mécanique entre nous. Ah, il pourrait y avoir un one more time, t'es pas faux ce que tu dis, c'est pas faux ce que tu dis. Et il a failli se poser dessus. C'est l'objectif. Ah, c'est joli, c'est joli, c'est très très beau ce que nous fait. Ici, qui est le pilote à l'instant T? C'est Flo, le pilote. Là, pour le battle, je donnerai le drone gagnant. Hein, sur très bien, excellent, merci. Il est venu se poser sur le toit de la voiture en roulant. Ce qui est très fort. Qui n'est pas prévu dans les règles d'ailleurs techniques, donc il n'y a pas de zéro. Non, il n'y a pas de zéro, on peut se poser sur le toit du concurrent. Écoute, merci d'ailleurs à Maël de Grenoble Drone Vision. Maël qui est pilote de drone là, qui nous fait toutes ces images avec son équipe. Et attention, on a vu, il y a quasiment plus de place. Hein. Ils sont même assis sur les marches. Il n'y a plus de place. Plus de place du tout. La pose du boîtier télémétrique, on donne les informations, voilà, et on autorise l'entrée pour Frédéric Adam. Allez, Frédéric Adam face à Benjamin Boulbès. Benjamin que je ne vois pas, ça y est, ça y est, il vient d'arriver. Benjamin. Mais voilà, il va se mettre en place sur... sa position de départ. Un battle donc de série 1. Deux voitures qui ont à peu près la même année de conception. Hein. Ils ont découvert l'an dernier. Oh, Frédéric Adam qui part avec une sacrée longueur d'avance. Attention à pas non plus trop exagérer. Et ce qui se passe, c'est qu'il se fait distancer par la suite.
Est-ce qu'il va se rattraper? Oui. Benjamin Boubès, lui, quand même pas mal de distance, du coup. Pour son run leader, Frédéric Adam, là, qui s'est fait surprendre sur le clip. Oh, okay. Ah, il est dans le sens opposé, ouais. Attention. Ah, ça va pas. Ça va pas du tout pour Frédéric Adam, ouais, là. Oui. Il est obligé de corriger, forcément. Il est sorti trop large, en fait, du virage numéro 2. Et Benjamin Boubès, qui continue sa ligne. Benjamin Boubès, pour qui c'est une promenade de santé devant. Toujours avec son drapeau ukrainien d'ailleurs. On essaie d'enlever les bouts de gomme qu'il pourrait y avoir sur les trains avant. Les trains avant ont tendance à ramasser pas mal de saleté. Il faut penser à bien les nettoyer. Souvent c'est le travail de certains mécanos, c'est d'aller racler au décapeur thermique l'excédent de gomme qui s'est accumulé sur les pneus à l'avant. Il est presque arrivé en backward, hein, Frédéric Adam. Backward, c'est compliqué à expliquer. C'est quand l'arrière passe devant, mais que c'est rattrapé. Que c'est rattrapé. Ça pourrait s'apparenter à un tête à queue, mais c'est rattrapé. Là, c'est l'intérieur de la voiture. C'est très beau à voir. On voit ça en général, les backward, pour imaginer un petit peu le truc. Sur les trophées Andros, par exemple. Ils ont des voitures beaucoup plus faciles pour le faire, mais ils rentrent souvent l'arrière avant. Oui, surtout avec des 4 motrices, non, en avec fait. Des 4 motrices, surtout. C'est plus simple. C'est parti pour Frédéric Adam, leader. Il y a Benjamin Boubès derrière qui va essayer de jouer sur la proximité là. Peut-être ici dans le virage numéro 3. On vient sur le transfert, sur le coup numéro 6. Le virage du raccordement. Ouh, Benjamin Boubès, Boubès. Qu'est-ce qui se passe? Il est pas passé. Est-ce qu'il a sorti de roue? Bonne question. Bonne question, ça remettrait des cartes à zéro dans ce cas-là. Parce que ce qui est certain, c'est qu'il y a un zéro pour Frédéric Adam, ça c'est certain. Mais est-ce que pour les juges ça vaut un zéro sur ce run numéro 2? Est-ce qu'il y a, y aura-t-il un one more time? C'est envisageable. En tout cas. On voit Karine qui récupère les boîtiers de télémétrie. On va revoir. On va revoir au replay. Exactement. On regarde, là, tout va bien pour l'instant. Il n'y avait aucun problème. Benjamin avait une ligne suiveur impeccable. Jusqu'ici, je ne sais pas ce qui s'est passé. S'il a été gêné peut-être par la fumée, il n'a pas vu sa trajectoire. Ou alors il a voulu dive pour anticiper, mais c'était peut-être un petit peu. Un petit peu tôt là pour Benjamin. On prend le temps pour les juges de vérifier justement s'il y a bien eu cette erreur ou non. Juste au niveau du dernier virage, vraiment sur le dernier virage. On voit, ce virage il est pas gentil avec les pilotes. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de pilotes qui se sont loupés à cet endroit-là. Et non, il ne sort pas de roue. Hein. Non, elle est sur le vibreur. Ah, c'est limite. Peut-être la roue arrière, effectivement, la roue arrière pas, gauche. Je sais pas. C'est compliqué à voir. Écoutez. Est-ce que l'on a un vainqueur? C'est un one more time. One more time pour Frédéric Adam et Benjamin Boubès. On prend les mêmes et on recommence. Donc, pour vous, vous avez Billy, Nuno, pour vous, les roues étaient bien dehors pour Benjamin Boubès? Oui, bien sûr. Les roues sont. Il a deux roues dehors, Benjamin Boubès. Hein, Vous êtes quand même posé la question, ouais, c'est pour ça que vous voulez demander un replay. On tolère une roue à l'extérieur, si vous voulez, pour essayer de conserver une course cohérente et jolie. On ne va pas sanctionner quelqu'un qui met une roue dehors. On tolère les roues sur le vibreur. Le vibreur, c'est la piste. Mais là, il y a deux roues derrière le vibreur. C'est un petit peu.
Non, non, il est complètement out, hein, Benjamin Boulbès. Et sur le premier, Frédéric Adam, bah, il a zéro, il est drift en sens opposé. Oui. Au niveau du clip 4, il est en sens inverse. Bon, je pense que tout le monde l'avait vu. Hein. Oui, bien sûr, on l'avait vu. Et après, il fait une, il ralentit énormément, quasiment en bas à quoi. Oui, c'est pour ça, c'est relancer, ça, exactement. Et ça lui a coûté la note. Très bien, merci Billy. Et tu vois, je t'avais parlé des revirements de situation assez improbables. Ici, Benjamin Boulbès, il avait un boulevard devant lui. Et c'est pas du tout dans son habitude de faire ce genre d'erreur. Vraiment pas dans son habitude. Il avait un boulevard devant lui. En général, il est safe. Benjamin est très très safe. Et là, eh ben, il a été pris dans la fumée. Je sais pas ce qui s'est passé exactement. En tout cas, c'est au tour de Sofiane Gazine face à Stéphane Saad qui vont s'affronter en battle. Stéphane Saad qui sort de la catégorie de loisirs. Donc, c'est un peu une découverte ici. Ça a l'air assez compliqué en tout cas, il a pris un boulevard entre le virage numéro 2 et 3, notre ami Stéphane Saad et Sofiane Gazine qui continue sa course. Revoyons ça en replay. Ah, j'ai des échos là, ça fait du bien. Ça veut dire qu'on est dans le public. Le transfert clip 6. Décalage ici, Stéphane Saad qui est un petit peu en retrait. Mais ça veut aussi dire que là, notre ami Sofiane Gazine, il va le pousser, Stéphane. Il n'a pas le choix avec la différence de puissance, il n'aura pas le choix de jouer la proximité. Sofiane Gazine, il va se faire plaisir en tout cas, je pense, en termes de proximité, vu la vitesse de Stéphane. C'est pas facile, il vient d'arriver forcément du loisir, il découvre, comme je le disais, les battles ici. T'as vu ce qu'il y avait écrit sur le capot de Stéphane Saad? J'ai pas fait attention. Juste là, Jacob Sport, partenaire au championnat de France de drift. Mais oui. Bien sûr, encore une voiture QSEB qui sort du garage. Jacob Sport. Il n'y en a pas qu'une ici, c'est sûr. Dans France et dans le monde, il n'y en a pas qu'une. Ouais, c'est parti pour Sofiane Gazine, oui, qui a touché le bivouac, s'est fait déstabiliser un petit peu. Ça profite à Stéphane Saad qui respire un petit peu. Oh, Il a déjanté Sofiane Gazine. Déjanté ou perdu une roue? Attention, là, ça peut être dangereux. Un pneu comme ça. Il a déjanté. Il est venu s'écraser dans le grillage sur notre gauche. Voilà. Un membre du staff va de suite le récupérer. Sûrement un manque de pression, le pneu était tellement collé au sol qu'il est venu s'éjecter de la jambe. Qui ont grincé des dents là. Heureusement que ça a touché personne, effectivement, un pneu comme ça peut être dangereux. Oui, après ça va pour le coup, il allait plus relativement doucement. On a vu des accidents comme ça sur des compétitions où il y avait un petit manque de sécurité des moments. Qu'est-ce que c'est beau ce bruit, c'est quoi que tu viens de nous ouvrir là? Nexis Energy Drink, mon cher Tom. C'est vrai qu'on a bien entendu celle-ci, c'était joli. Et on a Sofiane Gazine là qui doit être déçu. Ah oui, surtout. Oui, bah, il avait de quoi faire une belle battle, au moins il n'avait pas forcément la victoire sur un plateau. Il n'a même pas pu aller jusqu'au bout des choses et il arrête son drift, donc il a forcément un zéro. On va revoir ce qui s'est passé sur le premier virage. Il a touché ici, je pense qu'à partir de ce moment-là, il a dû dégonfler le pneu et ensuite forcément au transfert. Légèrement sortir. Le pneu s'est sorti. C'est exactement ça. Bon, on le sent pas forcément, mais là il le sentait là. Il a arrêté le drift, c'est une bonne chose. Stéphane Saad qui avait une très très belle ligne en tout cas en tant que leader. Suiveur également avec le manque de proximité forcément, mais il s'en sort bien. Il devrait normalement passer. Sauf erreur qu'on n'ait pas vu, il devrait normalement se qualifier pour le top 16. On était sur la première ou sur la deuxième run ici, Vincent? J'ai un doute. Je crois qu'on était sur la deuxième run. Oui, c'était la run. On était sur la battle retour, forcément. La battle retour, exactement. Du coup, ce qui fait théoriquement que Stéphane va pouvoir aller s'installer
sur Stéphane la zone qui voulait peut-être refaire la manche. Vous laissez l'avantage à son adversaire peut-être. Enfin l'avantage, une chance en tout cas. Sofiane qui n'est pas dans un bon week-end. Ah, Sofiane, non. Il avait eu des soucis hier déjà. Et là, il est sorti juste face à Kevin Josou hier et aujourd'hui. Et c'est une victoire de Stéphane Saad. Voilà, et on peut le féliciter, on peut l'applaudir. Il gagne sa place donc en top 16. On va atterrir sur les deux dernières battles de cette première partie de l'après-midi. Hein. La première partie, donc, c'est le top 32. On va ensuite passer au top 16. Il nous reste encore 3 battles. On avait un One More Time, Boulbès, ça ferait Adam. On attend donc les pilotes pour leur faire effectuer leur One More Time. Il y a discussion. Voilà, on est en train de charger le véhicule de Sofiane Yazid, bien sûr. Et voilà le tableau qui s'affiche face à vous. On attend toujours le One More Time de Benjamin Boulbès et Frédéric Adam, comme tu l'as dit. Et voilà, donc on aura pour la première partie Amar face à Hugo Lavedan, Laurent Cousin face à Jérôme Bourgoin, Quentin Deleplanc face à Jérémy Mérès et enfin Jason Banet face à Nicolas Jouvoir. Sur la deuxième partie, on n'a pas encore tout à fait fini, mais on aura déjà Guillaume Gléo face à Florent Mathieu, Michael Perrotet face à Armindo Martins. Et surprise pour le reste. Et surprise pour le reste, on ne sait pas encore. Il reste justement ce fameux One More Time qui a étonné tout le monde, je pense. Le gagnant du One More Time affrontera Stéphane Saad, ça c'est certain. Exactement. Continuons ensuite sur cette bonne lancée pour en profiter pour remercier toutes et tous qui nous suivaient sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Championnat de France de Drift, Insta Drift France. Merci à vous, je sais que vous êtes nombreux. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai pas la chance de pouvoir échanger avec vous. On n'a pas la chance de pouvoir échanger avec vous parce que il n'y a pas de réseau, chef. Il n'y a pas de réseau ici. Il n'y a pas de réseau. Mais c'est pas grave, c'est le prochain investissement pour l'année prochaine. Un bon réseau. Et c'est parti, on va pouvoir se régaler, se faire plaisir. Et continue comme ça encore, j'espère. À vous de nous dire, est-ce que sur internet, je vous invite à nous écrire parce qu'on verra bien les messages après. Est-ce que ça vous plaît, le circuit du Val d'Argenton? Est-ce que vous avez envie de le revoir l'année prochaine? Ça, c'est une bonne nouvelle. Je me demande si dans le public, ils ont envie de nous revoir ici l'année prochaine. Je sais pas. Je suis pas sûr que dans le public, ils aient envie de revoir le championnat de France de drift l'année prochaine. Oh, vu le nombre de personnes qu'il y a, je n'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression non plus. Écoute, on ira. La tribune est bien trop remplie pour ça. On ira leur poser la question tout à l'heure pour le podium. Ça sera à eux les juges de paix. On a notre chauffeur de salle à l'image, on le voit. J'espère qu'il nous attend. Bastien, si tu nous entends, regarde de ce côté-là. C'est bien Bastien, il est bien là. Il a pas lâché, il est toute l'après-midi. Quelle énergie, quelle volonté de bien faire. Allez, une figure emblématique du championnat. Karine. Karine également. Mais la team Vino qui repartent derrière. Peut-être voilà, la dépanneuse qui a attelé la voiture de Sofiane Yazid. Oui, afin de préserver forcément les jantes, ils ne l'ont pas fait monter sur le plateau. Ça serait bête de les animer. Voilà, Sofiane qui se fait ramener gentiment jusque la voie des stands pour laisser place à la prochaine battle qui opposera donc Geoffrey Jouan face à Yvon Buisson. Oui, l'objectif étant de ne pas faire rouler la voiture avec une roue déjantée comme on vous l'a dit en fait. C'est un bonheur d'être là aujourd'hui pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un nouveau circuit, donc ça prouve que le drift a de l'avenir. La deuxième, c'est que Arnaud, le patron du circuit, qui nous accueille aujourd'hui, a fait refaire le goudron il y a moins d'un mois, il y a quelques semaines de ça. Le goudron, il est neuf, vraiment neuf. Donc l'objectif, c'est vraiment d'en prendre soin. Et nous, voilà, c'est le championnat de France de drift.
le, notre objectif à nous, c'est de pérenniser cette compétition qui rassemble. C'est la compétition de France, à part peut-être la F1, mais c'est la compétition de France qui rassemble le plus de monde, où il y a le plus d'ambiance. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de photo. Vous pouvez comparer toutes les compétitions. Il n'y aura jamais autant de monde, que ce soit sur les réseaux ou sur un événement comme ça. Il n'y a rien, c'est pas comparable. C'est absolument pas comparable. Donc notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte qu'on puisse être accueilli sur tous les circuits. Et nous voilà, c'est vous prouver que. On n'est pas là pour détruire un circuit, on n'est pas là. Bon, d'accord, il y a un petit peu d'herbe en moins, mais l'herbe en moins, promis, on va vous jeter trois graines et ça va repousser. C'est pas un problème. Allez, c'est parti, top départ pour le run entre Geoffrey Jouan, Yvon Buchon, qui est déjà à l'attaque, qui arrive au contact de Yvon Buchon. Il sent un petit peu une roue là dans l'herbe, mais il n'en fait rien, il continue sur sa lancée. Il a pris un petit peu le bouillon là, il a pris la distance. Aïe, il vient faire l'erreur fatale de faire un opposé drift à cet endroit-là. Ce n'est pas ce qui est demandé par les juges. En tout cas, Geoffrey Jouan, il a pris son envol. Direction Namek. Direction Namek. C'est où Namek déjà? Dragon Ball Z. Ah oui, c'est vrai que c'est dans DBZ, exactement. Excuse-moi pour le manque de culture. Ça, ouais. Excuse-moi pour le manque de culture. Oh, le contact là entre Geoffrey Jouan, qui n'a pas dû mériter, hein, il n'a pas lâché. Au contraire, ça l'a aidé. En tout cas, ça l'a aidé Geoffrey. Geoffrey, il s'est dit tiens, un petit peu plus d'angle, c'était pas prévu, mais ça ne fait pas de mal. Là, on veut du spectacle, on a du spectacle, il n'y a pas de problème. C'est un bonheur. Allez, c'est Yvon Buisson qui va s'élancer leader. On finit le replay, hein, forcément. On a vu hein, la distance entre Yvon et Geoffrey. Une voiture toute neuve pour Yvon. Allez, c'est parti. Top départ. En deux temps pour Geoffrey Jouan, j'ai vu. Peu en deux temps, il a voulu anticiper un petit peu ce que faisait Yvon Buisson. Qu'est-ce qui s'est passé pour Geoffrey Jouan? Geoffrey Jouan, qu'est-ce qui se passe? Il arrête de drifter complètement. Ça vient encore une fois toucher un boulet. Qu'est-ce qui se passe? Mais quelle est cette journée? C'est la journée des casses de Carlin ou quoi? C'est un week-end assez difficile pour la mécanique. Hier, ils ont eu la chance déjà de faire la première manche. Il faut réitérer aujourd'hui. Avec une seule nuit pour réparer les voitures, on n'a pas forcément les cardans nécessaires ou le stock nécessaire pour réparer les voitures. En tout cas, j'ai l'impression que Yvon Buisson avait fait un 0 sur son premier run dans un opposite drift. J'ai l'impression qu'on a encore une fois un 0-0 de chaque côté. Oui, c'est vrai. C'est rare. Déjà, hier, c'est une des rares courses, on n'a pas eu de one more time. Et là, je pense qu'on va en manger quelques-uns. Ça sera le troisième s'il est avéré. Geoffrey Jouan, Yvon Buisson. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et c'est avantageux aussi pour Geoffrey parce que s'il casse sur le run numéro 2. Ou alors, est-ce qu'il a eu une coupure? Parce que je le vois rouler assez, ouais, assez aisément. Il le roule assez vite, assez aisément, effectivement. Peut-être une coupure moteur sur une chauffe. Dans tous les cas, il a la possibilité de réparer. C'est une bonne chose pour lui. C'est une bonne chose pour lui. Ça va laisser place. Donc. À la prochaine battle, au One More Time qu'on avait déjà eu. Voilà, on a pu comparer donc les deux battles. On a vu, hein, on a constaté hein, les erreurs d'un côté et de l'autre. Le double 0, forcément. Et le 0-0. Exactement. Et on prend les mêmes. Et on recommence. C'est un One More Time. Et oui, One More Time. C'est une bonne nouvelle pour Yvon qui avait fait une grosse erreur il va être un peu soulagé. Le run précédent. Allez, retour paddock hein, pour les deux pilotes qui vont laisser place. Effectivement, on voit Benjamin Boulbès en leader hein, face à notre ami Frédéric Adam. Ils vont recommencer la battle, on n'a pas réussi à les départager tout à l'heure, il y a eu pareil, 1-0 de chaque côté. Donc on doit recommencer la battle. Benjamin Boulbès qui a de nouveaux pneus pour cette saison en semi-slick.
Alors, on attend le signal du directeur de course. Voilà, donc Benjamin Boulbès, BMW 1M, 1200 chevaux contre 820 chevaux pour Frédéric Adam. Mais on a quand même 2 V8. Frédéric Adam, vous voyez hein, qui prend toujours un jumpstart par rapport à Benjamin. Ça lui permet aussi de déconcentrer Benjamin. Mais en tout cas, c'est difficile de le déconcentrer. Oui, très difficile de le déconcentrer. Quoique, sur le run retour, c'est bien fait avoir. Exactement. Allez, ils sont là, ils sont à l'image. Frédéric Adam qui fait encore une correction ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Il a transféré en deux temps. Benjamin Boulbès, en tout cas, il applique toujours la ligne qu'on lui a demandé pour le moment. Voyons voir s'il va refaire la même erreur que tout à l'heure. Non, il a compris son erreur. Les lignes d'arrivée, on prend les mêmes, on inverse les positions. Et on finit la battle dans quelques instants. On va profiter du replay. En attendant, bien évidemment, un moteur qu'il connaît très bien, Benjamin Boulbès, qu'il avait déjà sur son ancienne voiture et qu'il a récupéré pour mettre dans un châssis un peu plus petit. C'est vrai qu'il se plaignait de poids. Il a gagné 200 kilos quand même. Oui, élevé. Il a gagné 200 kilos. De gagné, forcément, c'est pas négligeable. Ça fait beaucoup. Un châssis un petit peu raccourci également. Une voiture plus courte. Oui, des longerons surtout beaucoup plus légers parce qu'il était sur un cabriolet. Et si vous voulez, les constructeurs, quand ils décident de fabriquer un cabriolet, ils mettent des longerons beaucoup plus gros, oui. Voilà, pour renforcer le châssis, pour éviter d'avoir une voiture qui se tord. Et contrairement à ce qu'on croit, un cabriolet pèse plus lourd qu'une berline. Oui, c'est vrai. À cause de ça, d'ailleurs. À cause de ça. Parce que le châssis est beaucoup plus renforcé pour éviter que le véhicule se torde. Sinon, ça ferait un petit peu comme une feuille d'acier qu'on poserait sur une route qui aurait qu'elle absorberait toutes les déformations de la route. C'est une catastrophe pour tout, pour les portes, pour les fenêtres, pour absolument tout. Allez, c'est parti pour Frédéric. Alors, on a vu Benjamin Boulbès également anticiper un peu le départ à la manière de Frédéric tout à l'heure, mais de la proximité pour Benjamin ici. Frédéric qui offre une belle ligne quand même à Benjamin, qui a moins d'angle derrière Benjamin. Il est un petit peu en difficulté. Allez, on continue pour Frédéric. Oh, il a beaucoup rapide, de vitesse. Il a rapide, il spin. Il a fait, et il spin. Oui, il a spiné malheureusement Frédéric. Il a été généreux hein, sur l'entrée de virage, il a accéléré pour ne pas se sortir effectivement et rester sur l'angle, mais c'était un petit peu trop. C'est vrai. Un petit peu trop. Je pense qu'il a un peu surestimé le virage. Exactement, t'as tout compris, il a légèrement surestimé le virage. Il est arrivé très vite en fait, il s'est freiné trop tard, c'est surtout ça, on l'a anticipé, enfin en tout cas... Je sais pas si tu l'as entendu, mais on était en train de se poser la question. Et il va trop vite. Ça s'est vu. Ça s'est vu. Ça aurait pu passer. Ça aurait pu passer avec une ligne en dehors du clip, en dehors de la zone de glisse. Mais c'est pas passé. Donc le résultat est là. On va pouvoir voir l'action ici. Sur la entre les deux pilotes. Benjamin qui était quand même qui a joué la proximité au début, hein, Frédéric. Adam qui était généreux sur son premier virage. Et là il prend beaucoup de vitesse. Je sais même pas si c'est freiné. Il a accéléré de suite en fait. Il a accéléré peut-être trop tôt. D'habitude les pilotes sont sur le frein plutôt pour garder la ligne intérieure. N'a pas été le cas ici. Benjamin Boulbès qui a arrêté également sa glisse, mais il ne sera pas pénalisé car il était obligé d'esquiver son adversaire. Donc, c'est effectivement ce genre de contact qu'on ne veut pas voir. Voilà, c'est des genres de contact qu'on ne veut pas voir. Ça aurait été catastrophique. 2 voix, 3 voix pour Benjamin Boulbès, victoire sans appel pour le pilote Montalbanais. Qu'on retrouvera donc face à Stephen Saad en top 16. Exactement. Normalement, on a la battle qui opposera Mathias Locatelli et Benoît Lemaire. Battle qui opposera le numéro 2 au numéro 31. Je parle des numéros de résultats qualif. Le pilote qui s'est qualifié second cette séance de qualification, c'est Mathias Locatelli. Il va s'élancer donc en tête sur ce premier run. Mathias Locatelli à l'image ici.
Benjamin Boubès qui regagne la ligne d'arrivée. La porte se ferme, ouais, du côté de Locatelli. On a entendu claquer, hein, d'un... Il fait très chaud dans les habitacles. Très chaud dans les habitacles. Allez, on fait signe au pilote de regarder le feu de départ. Et c'est parti pour Mathias. Et Benoît Lemaire qui n'est pas en reste, hein, face au monstre piloté par Mathias Locatelli. Ça va être un petit peu plus compliqué sur la relance ici. Il est très rapide, Mathias. Benoît Lemaire qui va très très large. Oh, il est à la limite sur la fin du tracé. Il vient vraiment lécher le bord de la piste à plusieurs reprises. Mordre la terre. C'est un beau passage de la part des deux pilotes. Avec un petit peu moins de proximité, on sent qu'il accuse le coup. Un petit peu, ouais, pour Benoît Lemaire. C'est un peu compliqué, effectivement. Et elle le voit, on va revoir ce replay donc entre Benoît Lemaire et Mathias Locatelli, E92, qui a accusé le coup hier suite à un contact, la E92. Aujourd'hui ça va mieux, le feu est remis à sa place. Avec les superbes images. Ricardo. On prend les mêmes et on recommence. On inverse les positions, bien évidemment. Locatelli suiveur, donc. Sur votre gauche. Et Benoît Lemaire, leader. Avec sa RS13. Allez, c'est parti. Top déclenchement pour Benoît Lemaire. Oh là là, Mathias, qui est déjà chaud! Qui est déjà en train de pousser Benoît Lemaire sur ses clipping points 3. Et là, Benoît, il est juste venu mordre. Oh, et c'est un morceau de Mathias qui s'est envolé pour moi. Oui, c'est un morceau de calandre. C'est un coup de la calandre, oui. J'ai l'impression qu'il s'est c'est envolé pour Mathias. C'est pas grave, tout va bien. C'est exactement ça. Oh là 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 là, il est au contact encore une seconde fois. Aïe aïe aïe. C'est très beau. J'avais Jérémy Mérires qui cherchait justement cette pièce-là pour sa calandre. Elle est au milieu de la piste. Je crois que c'est le bon côté en plus. Il voulait la prendre à Mathias hier, il nous l'a dit. Donc c'est le moment d'aller récupérer. Est-ce que c'est la grille complète qui est tombée? En tout cas, elle est dans les mains du commissaire. On va pendant le replay. Merci d'ailleurs. Merci, je dis beaucoup merci. Mais c'est parce que vous imaginez pas à quel point c'est compliqué d'organiser une course. À tel point c'est de l'engagement de la part d'énormément de personnes. Et si ça foire sur un poste, c'est vraiment très compliqué, donc j'en profite pour remercier tous les commissaires présents ce week-end qui font un travail de malade. Donc merci à eux. C'est la grille de calandre gauche qui s'est envolée. Il y a eu contact, c'est pour ça qu'elle s'est envolée, Vincent ? Il me semble qu'il y a eu contact, oui. Je vois pas comment elle pourrait s'envoler. La voiture avait l'air bien fixée. Surtout qu'elle se casse, apparemment, celle-ci, si on les enlève pas correctement. Non, je vais pas pouvoir la remettre, alors, notre ami Jérémy Mérires. Elle se casse. Donc, il faut une belle impact, en fait, pour la démonter. On n'a pas vu le replay. 3 points, en tout cas, pour Mathias Locatelli. Belle victoire. C'est mérité. Il est allé la chercher. Et il va se qualifier contre. On ne sait pas encore, on attend du coup le battle One More Time. Oui, on va. Si la battle n'est pas prête du One More Time, je pense qu'on passera directement au top 16. C'est pas un problème. C'est probable. On laisse bien entendu un petit peu de temps. Surtout en fait, si Geoffrey Jouan a une casse de cardan et qu'il a du mal à réparer, on peut lui laisser un petit peu de temps. Pour réparer. On peut entendre le public, hein, toujours patient dans la tribune. Il y a un peu plus de
un peu plus de spectacle aujourd'hui, il y a un peu plus de One More Time, il y a un peu plus de... Voilà, les battles sont différentes par rapport à hier. Vous vouliez du drift, vous en avez. Donc voilà, on en a un petit peu plus, et c'est tant mieux. On va attendre les pilotes. Je ne vois pas la chauffe pour l'instant de mon côté. Attendez, je n'ai pas encore d'infos. Je me lève un petit peu. Et j'ai pas de pilote sur la chauffe. On va en profiter pour remercier, regardez-moi ce beau drapeau AutoWeb, notre partenaire communication, l'agence de communication du championnat de France de drift, qui pourrait aussi gérer la vôtre de communication 360 degrés, que ça peut aller de votre site internet au moindre petit stickers à vendre sur vos véhicules, votre image à 100%, bien entendu. Eveo qui pourra s'occuper de la mise en ligne de votre parc automobile, la création du site pour la vente, même la vente en ligne directe de votre véhicule. Nos partenaires pneus Zestino et Zecnova, bien entendu Clutch aussi, le partenaire style du championnat de France de drift pour avoir un style à toute épreuve, un style drift en permanence. Nos partenaires boissons ce week-end, c'est cette saison même, c'est Exis Energy Drink, mais il ne faut pas que des boissons, on s'occupe aussi des adhésifs auto, bien entendu. Donc ils sont plutôt impliqués effectivement dans le oui. Dans l'automobile également. Ils sont, j'espère qu'ils vont être présents ou qu'ils regardent le live. Regardez-moi la communauté qui découvre votre marque s'ils ne la connaissaient pas. Tu me disais qu'en plus c'était une marque qui a été faite dans le sud de la France. Le sud de la France à 7 effectivement. À 7, exactement. Comme les tiels de 7, mais là ce sont les. Alors je vous coupe 5 minutes, on m'annonce le lancement de la règle des 5 minutes pour Jouan. D'accord. C'est bon, il arrive, il se présente en chauffe, donc on va pouvoir lancer le One More Time d'ici quelques minutes. La règle qui a été lancée il y a quasiment une minute, merci Billy. Je vois face à moi, j'ai le décompte, il reste 4 minutes et 10 secondes au moment où je vous parle. Donc effectivement, donc c'est une marque de 7. Sétoise, c'est très bien comme ton. Donc Exis Energy Drink, bien entendu. Vous avez aussi l'école de pilotage Torque Drift School pour acquérir toutes les notions de pilotage, que vous soyez amateur, confirmé ou professionnel. Le Live Apps qui gère l'entièreté des télémétries sur le championnat de France de drift. Bien sûr, OC Prod qui gère tous les highlights de la saison, vidéaste, réalisateur, c'est Nico qui a créé OC Productions. Je vous invite à aller suivre sur les réseaux sociaux si vous ne connaissez pas. Jacob Sport aussi, bien sûr, notre partenaire préparation, Jacob Sport qui prépare énormément, je vous promets qu'il prépare énormément de véhicules de drift en France, mais énormément de véhicules tout court en France, même à l'étranger d'ailleurs. Et alors que je vois Yvon Busson qui ressort de la zone de chauffe. Yvon Busson qui va se ranger sur la ligne de départ. La règle des 5 minutes a été éteinte. Le chrono a été éteint parce que je vois justement Geoffrey Jouan qui sort de la pré-grille. Et on va finir donc ce tableau de TAP 32. 15h50, c'est parfait, on est parfaitement en temps. Allez, le voilà. Geoffrey Jouan. Numéro 129 face au numéro 23. Qualifié 15e, Geoffrey Jouan. Yvan Busson 18e. Allez, c'est parti pour les deux pilotes à la... Au feu vert, comme départ pour Geoffrey Jouan, leader. Yvan Busson moins à la proximité là sur son run de suivant. Oh, il est rapide, c'est Geoffrey. Très rapide, Geoffrey. En même temps que le cardan neuf, il a remis aussi des pneus neufs, ça se voit. Il est large, ça va vite. Très 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 vite, Geoffrey.
Il a un bel avenir sur ce championnat, ce pilote là. S'il continue comme ça, il va nous régaler toute la saison et il va faire du beau. Ça va très 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 vite. Ils vont ait du mal à suivre. C'est que ça va très vite. On va répéter ici. Geoffrey qui est très rapide en fait dans les transferts, il s'endort pas alors que Yvon a l'air plus lent dans les transferts. La motricité aussi a l'air moins au rendez-vous pour Yvon Buisson. Une voiture assez réactive pour Geoffrey Jouan. Oui, ultra performante, c'est vrai. Il y en a d'autres hein, qui sont très très performants aussi ce week-end. Faut se méfier. Vous avez Yvon Buisson face à la caméra, on voit pas bien avec le Nexan qui reflète le soleil. Et on entend le public derrière, toujours aussi chaud. Et attention, top départ. Bataille suivante. Allez, top déclenchement pour Yvon Buisson, beaucoup d'argent en tout cas sur son déclenchement. Et Geoffrey Jouan, on le voit derrière un suiveur qui n'a aucun mal à venir à la porte de Yvon Buisson qui nous fait un beau lead run. Mais ah, Geoffrey Jouan un petit peu en difficulté derrière. J'ai cru voir des étincelles sur la voiture de Geoffrey Jouan. Je ne sais pas si c'est l'écran qui me fait défaut. Allez, ça continue en tout cas pour Geoffrey. Le transfert ici, la proximité. Encore une fois, il vient se percuter sur la voiture de Yvon Buisson qui a coupé un peu le drift en quelque sorte. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il s'est passé quelque chose là pour Yvon, il a arrêté son drift et Geoffrey Jouan est venu littéralement s'encastrer dans l'arrière de la voiture. Et Yvon qui est totalement à l'arrêt là. Ouais, il y a quelque chose de cassé, me semble, à l'oreillette, on m'a dit. Voilà, on va comparer ces deux battles. J'en profite pour faire une annonce. J'ai une annonce à faire, effectivement. Il y a un problème sur trois véhicules qui bloquent une trentaine d'autres véhicules sur le parking. Donc une Clio noire FX206HF, une Clio noire, et un Peugeot Partner DD662NS et une Citroën Xara FD613ZS. C'est soit vous qui allez la décaler, soit nous, mais ça risque de pas vous plaire. Je vois en tout cas notre ami Yvon Buisson qui va se faire remorquer. Est-ce que c'est une casse moteur? J'ai peur que... En tout cas, la victoire est donnée pour Geoffrey Jouan. On peut l'applaudir quand même, Geoffrey. C'est félicitations à lui. Et ouais, malheureusement, notre ami Yvon Buisson... Heureusement, il est venu taper Geoffrey, mais doucement. Sur la fin, sur la ligne d'arrivée. Yvon qui a sûrement une coupure moteur, une casse moteur, ou je vous jette plutôt une coupure. Alors moteur, j'ai quelques infos, arbre de transmission a priori qui est brisé. Ça c'est dur parce que ça fait un sacré bruit dans la voiture quand l'arbre de transmission il casse. Si ça tape contre le plancher. Oui, on a déjà vu des arbres même découper le tunnel, hein, ça peut être très dangereux. Exactement, ça peut être très très dangereux. Ça dépend le type d'arbre que c'est un arbre en fibre, fibre de carbone Kevlar, ça va, ça a bon d'ailleurs les casser, véhicules, mais les véhicules du Driftmaster ont une sorte de cage autour de l'arbre. D'accord. S'ils cassent pour ne pas venir découper le tunnel. Et les gens, en l'occurrence. Des protections supplémentaires. Je pense que ça va être dans nos standards dans pas longtemps. Oui, c'est pour la sécurité du pilote, c'est une bonne mesure. Merci Billy pour les informations. Allez, on a la voiture, on voit avec la caméra drone statique, qui est d'ailleurs en train de bouger. On a vu donc la voiture VIP faire des tours d'essai à certaines personnalités qui sont présentes sur le paddock du championnat de France de drift.
Ok, bah écoute, ce que je te propose, Vincent, c'est de se retrouver après une petite page de publicité, le temps d'évacuer la piste, regarder s'il n'y a pas de problème sur la piste, et on se rejoint juste après ça. A tout de suite. Salut, c'est Antoine de la SRG Drift Team. Je viens aujourd'hui vous présenter les pneus Zeknova avec lesquels on roule en compétition depuis plusieurs années. Depuis qu'on roule avec, on est au niveau de voitures qui ont plus de puissance que nous. Rapport qualité-prix, je pense qu'actuellement, il n'y a pas grand-chose de mieux sur le marché. Donc je vous recommande vraiment d'essayer ces pneus, vous n'en serez pas déçus. Retour après une petite coupure pub afin de vous présenter nos partenaires. On est de retour pour attaquer les top 16 sur cette deuxième manche du championnat de France de drift sur le circuit du Val d'Argenton. On a eu droit à un spectacle top 32 très très intéressant, beaucoup de one more time, notamment le dernier battle qui a été décisif entre notre ami Geoffrey Jouan et Yvon Buisson. On retrouve sur la startline Antoine Amar face à Hugo Lavedan, deux pilotes très précis. Antoine Amar qui avait déjà fait la pole position hier et qui continue son parcours peut-être vers le podium aujourd'hui. Encore une fois, il va peut-être essayer d'aller chercher le podium. Hier, il n'avait pas réussi. Peut-être même la victoire. Hugo Lavedan, qui est donc suiveur sur votre gauche. Antoine Amar, leader avec la S13 aux couleurs SRG. Allez, le directeur de course donne les instructions et on voit le départ. C'est parti pour Antoine Amar. Allez, top déclenchement, toujours aussi agressif Antoine et incisif sur ses mises en angle, c'est très rapide. Hugo Lavedan, un suiveur derrière qui coupe un petit peu la trajectoire pour rester à la proximité. Il a moins de puissance, il a un châssis un petit peu plus ancien peut-être. Antoine Amar qui a une très très belle trajectoire en tout cas pour le moment. Hugo Lavedan qui parvient quand même à garder la proximité sur Antoine. Il tente le dive ici sur le dernier virage, il est arrivé pour ce premier run de cette battle. Là, on va profiter du replay présenté par Zeknova Performance Tires. Voilà, il est ici, le pilote au premier virage. Il a tenté la proximité à notre ami Hugo, mais
Antonin Marnin n'en fait rien. Il y a quelques mètres qui séparent les deux voitures. Hugo Lavedan va s'élancer donc pour son deuxième passage, suivi de près peut-être par Antoine Amar. Oui, il y a eu un beau battle déjà sur l'allée, il y avait un peu de distance. Antoine Amar qui a l'air du coup moins en difficulté, oh là il là est là dans là la là porte d'Hugo. Ça commence bien déjà. Oui, oui, ça commence très très bien en général quand c'est comme ça. On est parti pour la proximité, est-ce qu'il n'y a pas une touchette ici là pour Antoine Amar sur Hugo? En tout cas, il est nervous, comme on dit, Antoine. Ah, il lâche très, très rien. Très, c'est déjà une magnifique battle pour cette ouverture de top 10. Ici. Oh là 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 là, jusqu'au bout. Quel battle exceptionnel, encore une fois. J'adore ça, je reste sans voix de voir toujours des pilotes aussi talentueux de s'affronter sur les manches championnat de France de drift. Je me dis quelle belle compétition on fait là, c'est un bonheur. Et on peut noter la différence entre les deux battles qui se jouent là pour l'instant sur la proximité en réalité, car les deux pilotes ont quand même été impeccables hein, sur dans l'ensemble. Golavdan qui est un pilote instructeur de grip la semaine et drift le week-end quand il vient au championnat de France. Il est aussi pilote instructeur drift sur par exemple chez Torque. Hein. Oui, c'est vrai, de temps en temps, oui, c'est oui, que j'ai oui, pas eu l'occasion de le voir Torque. Quand il était chez Torque, mais effectivement. Et il peut en apprendre, mais en tout cas il va rien apprendre aujourd'hui à Antoine Amar, parce que c'est Antoine Amar qui remporte la victoire. Félicitations à Antoine qui ouvre magnifiquement ce top 16. Antoine, rendez-vous donc en top 16 face à l'un des deux pilotes présents sur la start line, soit Laurent Cousin, soit Jérôme Bourgoin. Attention du lourd aussi à venir sur cette deuxième battle de top 8, top 16. Jérôme Bourgoin, leader, il était mieux qualifié que Laurent Cousin. Les filles 25e s'élancera donc suiveur et c'est parti hein, pour les deux pilotes. Et Laurent Cousin qui revient là assez proche. Une erreur pour Laurent Cousin. Non, pourquoi à ce moment-là? Pourquoi à ce moment-là les rangs de Laurent Cousin trop gris peut-être? Là, c'est peut-être il s'est fait avoir ou un manque de vitesse peut-être devant. Mais, c'était assez compliqué pour Laurent, ouais. Grosse correction et Jérôme Bourgoin qui lui continue son parcours sans problème. Le replay s'affiche donc sur nos écrans. Le déclenchement ici propre hein, de Jérôme Bourgoin. Laurent Cousin derrière qui suit, qui s'approche doucement. Et là il y a un regrip. Ça s'appelle un regrip. Ouais, Jérôme Bourgoin en tout cas qui a une bonne ligne. Laurent Cousin aussi suit bien sur le reste du parcours, mais il n'y a rien à faire. C'est déjà trop tard, il est un petit peu loin. Toujours la banane, Laurent. Toujours le sourire. Jérôme Bourgoin d'ailleurs aussi. C'est vrai que les deux
sont toujours de bonne humeur et c'est parti. Par contre, à l'issue de ce deuxième run, il y en a un qui sera de meilleure humeur que l'autre, c'est certain. C'est celui qui va remporter la battle, soit l'un soit l'autre. Beaucoup d'anglais pour Laurent Cousin en tout cas, qui prend son envol ici. Il est déjà sur la fin du virage numéro 3. Il a dû trouver quelque chose là, Laurent Cousin. Il a les... Je trouve très très rapide par rapport à tout à l'heure. Il a littéralement mis un boulevard là sur Jérôme Bourgois à la fin de ce parcours. Beau travail de Jérôme. Beau travail de Laurent qui par contre Laurent était bien plus devant, bien plus en avant. Il avait bien plus les capacités. Je vais m'absenter 3 secondes. J'ai vu qu'à côté de moi j'ai un pilote qui ne s'est pas présenté aujourd'hui pendant ces deux runs qualif. Et je vais lui poser la question, c'est Anthony Rocci qui était monté sur le podium hier, je veux savoir ce qui s'est passé. Tu es allé à la pêche aux informations ? La pêche était bonne. La pêche a été plutôt bonne. Elle est avec une mauvaise surprise. On s'y attendait parce que s'il ne s'est pas présenté, c'est pour une bonne raison. Anthony Rocci, il a eu un problème de segmentation sur son véhicule. Ah oui, donc, ça veut pas. Hier soir. Donc voilà, malheureusement pour lui. Et heureusement pour Jérôme Bourgoin, lui, on le retrouvera en top 16. Plutôt en top 8 face à Antoine Amar. Alors quelques explications si vous voulez sur ce oui. Battle. Hein. On a Laurent Cousin en suiveur juste après le clip 2 qui fait un regrip énorme, il est à la limite du zéro. Il prend. Enfin pour moi il prendrait 9-1 même. Jérôme Bourgoin en tant que suiveur, il a pas de proximité, mais il commet pas de grosses erreurs qui lui vaut une perte de points aussi grosse que Laurent Cousin. Il n'est pas proche, mais il essaie de conserver la ligne de son leader. Et il ne commet pas de grosses erreurs. Donc sur le second battle, Laurent Cousin a l'avantage, mais il n'a pas autant l'avantage que Jérôme Bourgoin sur le premier run. Ok, excellent. Merci Billy. Finalement, c'est donc Laurent Cousin qui s'est un petit peu raté et a perdu cette battle. Quoi. C'est souvent ça, sur une battle, on la perd plus qu'on la gagne. En tout cas... Quentin Deleplanc, concentré. Hein. Face à Méries. Il regarde là. Il est concentré sur son action. Il prend juste l'air au frais. Il prend juste l'air. Jérémy Méries, vous avez vu à Alex qui prend l'information. La porte ferme tout de suite instantanément. Et ils sont concentrés, prêts à partir. Jérémy Méries, cette fois-ci. On va tout faire pour monter en haut du classement. Il sait qu'il y a eu quelques casques ardents pendant les essais aujourd'hui, pendant les qualifs, pardon, et hier pendant les battles au lancement du top 32. Mais non, il a fait un effort. Il est au top 16. Il va continuer peut-être cet effort, aller jusqu'au top 8. Va falloir essayer de trouver les ressources pour détrôner aussi, enfin en tout cas sortir Quentin Deleplanc. Quentin Deleplanc, il ne va pas se laisser faire sur cette battle. Il va tout donner, j'en suis certain. Et en tout cas, on a un beau premier run qui s'est bien passé et qui est surtout très beau. Jérémy qui a l'air d'avoir réglé ses soucis pour le moment. Ça tient en tout cas. Les modifications apportées à la voiture, s'il y en a eu, tiennent. Donc tant mieux. Quentin qui a quand même pas mal de vitesse sur ce tracé, qui ne se laisse pas, trop coller par Jérémy. À part ici où Jérémy peut-être catapulté, mais Quentin relance quand même très très fort. Jérémy qui fume énormément comparé à Quentin. Différence de puissance notable. Et de pneus aussi, il a des pneus deux fois plus larges et en semi-stick avec une gomme très tendre. Donc forcément, il a envie de donner tout ce qu'il a, et c'est des pneus qui font par conséquent beaucoup plus de fumée parce qu'il y a beaucoup plus de surface au sol. Run de retour, lancé. Jérémy Méries, leader face à Quentin
de le planque dans la porte de Jérémy qui le satellise à l'accélération. Littéralement, il s'est envolé Jérémy lors de la phase de l'accélération. Quentin n'a rien pu faire. Il revient sur les phases de freinage, Quentin, avec sa voiture qui a l'air plus agile à ce niveau-là. Alors, on les voit noyer un petit peu dans la fumée. Voilà, c'est sur l'angle de caméra ici. C'est très compliqué pour Quentin. Il fait bien. Sur la ligne d'arrivée. Je vous ai dit qu'il se laisserait pas faire. Il se laisserait pas faire. Il s'est vraiment pas laissé faire. Il a eu raison de garder la proximité. Alors, je sais pas s'il a eu raison parce que là, il est arrêté au bord de la piste. Il a arrêté, arraché une aile, non ? Oui, aile par choc. Aile par choc arrachée pour Quentin Leplanc. Le par choc. Alors, j'espère qu'il a pas arrêté son drift avant la ligne d'arrivée. On l'a vu taper à ce moment-là. Il y a la moitié du pare-choc sur la piste. Ça, c'est pas grave. Hein. Une aile et un pare-choc. Les deux sont en fibre, donc on est habitué à voir ça. Ça se remplace facilement. C'est pas un problème. Il s'est pas laissé faire. Hein. Ah, clairement pas. Il a montré qui était là. Le replay sur votre écran. On a vraiment eu une battle magnifique. Là, notamment sur le dernier virage. Ah, en fait, ce qui s'est passé. Il s'est fait avoir au transfert, il était trop proche. C'était beau. C'est pas grave, en fait, de se faire avoir au transfert qui touche. Mais ça l'a beaucoup déstabilisé. Et en fait, ce qui se passe, ce que j'ai peur, en fait, derrière ce qui tient le pare-choc, c'est des tubes qu'on voit pas, qui est juste marqué derrière Zeknova, nos partenaires, là, juste derrière l'écriture Zeknova. Vous avez, regardez, ce qu'il est en train de tirer dessus, notre ami Mathieu ici, c'est ça qui s'est appuyé contre la roue, en fait, tout simplement, et qui l'a fait après. Pas aller dans la direction qu'il aurait sauté. Vous voyez, regardez, il tire dessus ici et c'est ce que j'avais peur. Regardez, il regarde justement, il pouvait pas braquer. Du coup, essayer de le tirer, c'est ce que je comprends. Le tirer, si jamais on peut faire autre chose, oui. Il veut peut-être essayer de le redresser, tout simplement. Regarde, on voit bien le tube ici qui est venu s'aplatir, en tout cas, qui est tout tordu du côté du pneu. Et en fait, ça a fait fusible, ça a encaissé. C'est fait pour ça aussi. Hein. C'est pas. Ce qu'on appelle une crash bar, hein. Effectivement. Elles sont limitées en termes de taille, justement pour faire fusible et pour encaisser les chocs. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas de renforcer la voiture pour que ça devienne un char d'assaut et que ça explose la voiture qui est en face. Non, c'est de venir justement. L'objectif, c'est de tenir le pare-choc, tenir les éléments de carrosserie, mais aussi pouvoir servir de fusible dans ces cas-là. Pour non seulement protéger tout ce qui est radiateur et moteur, mais à la fois, il faut être capable de se déformer pour encaisser les chocs et pas détruire les véhicules adverses. Hier, on a eu une course pleine de contacts avec beaucoup, beaucoup de rebondissements. Aujourd'hui, on a une course également qui est pleine de rebondissements. On ne sait pas ce qui va se passer. À chaque fois, il y a des casses, des avaries moteurs et des contacts comme ça, et c'est extraordinaire, hein, c'est passé. Il a tout tenté, il s'est pas laissé faire, on l'a dit, Quentin de Leplanc, qu'il n'allait pas se laisser faire. Rien que pour ça, si je vais vous demander après, une fois qu'on aura les résultats, d'applaudir non seulement Jérémy Mérias, mais aussi Quentin de Leplanc, et il va falloir l'applaudir très fort parce que il sera loin, donc il va falloir l'entendre, il va falloir qu'il vous entende, mais il va falloir l'applaudir très fort parce que ce qu'il a fait, c'est qu'il a tout donné, et tant pis pour lui, il s'est fait avoir. C'est malheureux, mais c'est la joie du sport automobile. De toute façon, il savait qu'il avait rien à perdre. Il savait qu'il avait rien à perdre sur le run précédent. Il était un petit peu largué. Il se faisait pousser. Donc là, il n'a pas le choix. Victoire de Jérémy Mérires. Victoire, on peut applaudir Jérémy. Et aussi, j'aimerais qu'on applaudisse Quentin Delplanc. Bravo à pour la pilotes, performance. Vraiment, ouais. Leur performance et le spectacle qu'ils nous ont offert, surtout en piste. Jason Panet. Le joueur face à Panet. Concentré dans la voiture, mais fidèle à lui-même. Quant à Nicolas Joueur, qui est suiveur avec la BMW 36 Compact. Ouh là 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 là, qu'est-ce qui s'est passé, Jason Panet qui fait une grosse erreur, qui fait un gros grip.
J'ai peur de savoir ce qui s'est passé, moi. J'ai peur de savoir ce qui s'est passé. Est-ce que tu craindrais encore un carnet? Oui, carrément. Tu vas devoir prendre quelque chose en dessous, non? Alors, ça roule assez vite quand même pour Jason. Non, il n'y a rien qui se promène en dessous. Ça veut rien dire, c'est pas pour ça que c'est pas cassé. On va revoir le replay. C'est dingue. Aujourd'hui, c'est la descente aux enfers pour de nombreuses voitures. Parti à fond. Blanc. C'est au moment de la relance où il a relâché effectivement l'embrayage pour remettre de l'accélération. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui a encaissé, qui a fait fusible. Oui, ça peut être pas mal de choses. Comme tu l'as dit, ça peut être l'embrayage aussi. Peut-être l'embrayage. Ça peut être l'embrayage. Mais bon, l'embrayage, il a une boîte séquentielle, il aurait peut-être pu continuer, sauf s'il s'est mis à cirer. C'est-à-dire s'il s'est mis à ne plus accrocher et à glisser sur lui-même. En tout cas, on a Nicolas Jouard qui est en start, qui va pouvoir s'élancer. Alors, pour son run numéro 2. Apparemment, il se passe quelque chose. On voit Jason se pencher et... Non, s'il est sorti du véhicule, c'est fou. On sait que c'est foutu, quoi. Dans tous les cas, s'il est rentré comme ça, connaissant Jason, s'il y a un petit problème mécanique, il va aller rouler quand même. S'il s'arrête, c'est qu'il peut vraiment pas faire autrement. Fin d'aventure, malheureusement, pour Jason ici. Ça serait le pont qui aurait éclaté apparemment pour Jason Bannet. Allez, Nicolas Jouard qui continue en tout cas son chemin. Et voilà la ligne avec la caméra hélico, la caméra drone du moins, en statique, qui est plutôt sympa. Ouais, donc c'est bien une pièce de transmission que Tom qui a cassé, ça serait le pont. Donc, encore une, trop de puissance, trop de grip en fait. Ce qu'il y a, c'est qu'ils sont partis sur des pneus avec des pressions tellement basses, avec énormément de grip, que les trains ne suivent pas. C'est le problème de ce genre de préparation, c'est que les trains, ils n'arrivent pas à encaisser la puissance. Et c'est bien beau d'aller chercher énormément de grip pour aller très vite, c'est génial, c'est magnifique, on adore ça. Mais malheureusement, et ça aide pas toujours la mécanique. Alors j'ai quelques petites infos si vous voulez sur Jason Bannet, c'est le pont qui a cassé. C'est le pont, très bien. Très très bien. Le pont ou le cardan, les deux sont l'un à côté de l'autre. Donc faut qu'il y en ait un qui casse. Quand c'est pas un, c'est l'autre. Malheureusement, ça arrive. C'est une victoire de Nicolas Jouard, on peut le féliciter. Bravo Nico. Bravo Nicolas qui accède au top 8 et qui affrontera Jérémy Meirès. La battle dans le cas contraire aurait été quand même difficile, ça aurait été banni contre Meirès. Battle de team. Florent Mathieu sur la start line. Face à Guillaume Guillot, je répète, ce week-end on a beaucoup de duels de japonaises, ça change de d'habitude. D'habitude on a vraiment, on va dire, un bon 80% de duels d'allemandes. Guillaume Guillot qui ne roule pas sa voiture, hein, c'est une voiture de prêt, prêtée par justement Jérémy Meirès. Mais ça pose aucun problème, il vient peut-être chercher la proximité. Ici, Florent Mathieu qui est une très bonne ligne en leader. Donc ça permet une belle battle. Guillaume Glio qui lâche rien, un petit peu en retard ici, un petit peu en retard sur la relance, mais c'est pas grave, le transfert sur le virage. Il s'attend quelque chose, effectivement. Bravo, belle battle. Une battle assez vraiment, vraiment exceptionnelle, encore une fois. Quand on compare le tableau d'hier, bon alors Amar est toujours sur la même, le même côté, mais à cette époque-là, on avait donc
à la place de Glion, on avait Vekel contre Lavedan, par exemple. Oh, le transfert magnifique. Le transfert clip 2, clip 3, pardon. Clip 3, magnifique, entre Guillaume et Florent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, on ne pourra pas avoir le même podium qu'hier. Mis c'est à impossible. Part Antoine Hamar, qui n'était pas sur le podium dans tous les cas. Mais que on de changements aujourd'hui. Avoir, ni Jocelyn Jamin, qui était sur le podium. Ni Rochi, qui n'a pas pu rouler aujourd'hui. Et ni Bani, Jason, qui vient de casser. C'est que des casses mécaniques, hein, t'as remarqué ? C'est que des casses mécaniques. Antoine Hamar, qui doit toucher du bois pour ne pas que ça lui arrive. C'est parti pour Guillaume Gléon, suivi par Florent Mathieu. Est-ce qu'il va faire la proximité? Sinon, ça m'a l'air compliqué. Vous allez dans une voiture assez similaire en vitesse. Compliqué pour Florent Mathieu qui a fait deux petits coups de correction là sur le transfert. Guillaume Gléon. Ah, quel dommage pour Florent Mathieu qui s'est laissé un petit peu emporter par l'émotion. Allez, nous finit quand même le parcours en drift pour le spectacle. Je pense qu'il est conscient que ce sont ses derniers tours de roue sur ce tracé. Beau parcours pour Florent tout de même. Ils avaient à peu près la même distance, hein, oui. Le même type. Et là, c'est là ici que ça a un petit peu cafouillé pour Florent Mathieu, qui a corrigé malheureusement quand il était suiveur. Il s'est fait avoir, il avait tout. Et là, il part en tête à queue, ouais. Il coupe trop. Et il se laisse avoir par le vibreur, j'ai l'impression. C'est ça. Il vient mordre dans la terre, il parle dans le vibreur, il se laisse avoir. Et c'est le tête à queue, le spin, comme on dit dans le jargon du drift. Le spin qui fait très mal. Alors là, je pense que c'est sans surprise, hein. On connaît déjà l'issue de cette battle. Mais de nombreuses battles, écoute, aujourd'hui, on a un peu le chat noir pour la mécanique. Oui, effectivement, après, c'est quand même un très beau battle de la part de Gléon, en suiveur derrière Florent. Mathieu, il a fait quand même un super job. Il s'est appliqué à conserver des transitions synchronisées, à être dans la ligne de son suiveur. J'ai trouvé ça bien de la part d'un pilote qui a un véhicule finalement qu'il a essayé que depuis hier. Oui, donc, c'est vrai. C'était plutôt sympa, voilà. Guillaume qui roule sur cette voiture uniquement depuis hier. Belle adaptation, ouais. Ils sont forts, ces interrupteurs riders. Les pilotes interrupteurs, merci Billy pour la traduction. Et victoire de Guillaume Gléon, sans surprise, donc. Il est content, Guigui, il fait signe public. N'hésitez pas à marquer sur le live. Qui est votre pilote préféré? Quel pilote, à vos pronostics, hein, quel pilote va finir sur le podium ce week-end, en sachant que il y a du changement aujourd'hui. Ce n'est pas possible de retrouver le même podium qu'hier. C'est même impossible de retrouver le même podium que la veille sur la manche numéro 1. C'est impossible. Donc, à vos pronostics. Et j'irai voir tous vos commentaires sur la route en rentrant ce soir, voir si vous vous êtes trompé ou pas, si vous avez répondu bon, si vous êtes de bons pronostiqueurs. D'après vous, qui va remporter ce week-end le deuxième manche du championnat de France de drift? Peut-être Armando Martins, peut-être Michael Pirotet. En tout cas, il va falloir passer ce top 16 et c'est maintenant. Michael Perrot est déjà à proximité. On le voit qui pompe, hein, sur la S14 pour garder la proximité avec le pilote portugais Armindo Martins. Armindo qui a pas mal dans le clip 4, 5, 6 aussi. 6 ici, là, ça y est, c'est passé le clip 6. Ça a l'air compliqué là. Dernier clip 7. Armindo, ou là, Michael Perrot est sur la dernière ligne, le dernier virage. Pour la proximité, ça avait l'air compliqué jusqu'à présent. Lui qui nous a offert du beau spectacle. Alors, je suis partagé, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que quand on voit la différence de puissance entre les deux véhicules,
je trouve qu'il n'est pas dans le reste. Par contre, par conséquent, là, il est obligé de sacrifier. Un petit peu de sacrifier, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est, je pense que c'est peut-être ça que tu voulais dire. Il est obligé de sacrifier forcément une partie de sa glisse pour pouvoir garder la proximité. Ce qu'il ne fait pas, ce qu'il ne fait pas à la fin d'ailleurs. Là, c'est belle anticipation de la part de Michael. Et là, il vient quasiment le pousser. Bon, notre ami Armindo prend beaucoup d'angle aussi. Et je sais pas si vous avez, vous l'avez pas vu, mais sur la porte côté conducteur d'Armindo, vous avez une belle trace de pneu. Vous devriez la voir, mais elle y est pas. Elle était faite après. Elle a été faite après la trace de pneu. Elle y est pas ici sur. Donc Michael Perrotet lui a fait une belle trace de pneu. Pas de blague potache, les gars, sur les réseaux, d'accord. Les gars et les filles, bien sûr. Hein. On attend pour relancer les pilotes. Ah. Est-ce qu'on a une information? Oui, j'ai une information. Alors apparemment, le pare-choc bloquerait les roues sur la voiture de Michael. Alors, organe de sécurité, là, la Red Team est obligée d'intervenir. Ah, il y a eu contact, il y a eu contact. Mais à quel moment il y a eu contact? Parce que c'est certain qu'il y a eu contact quand on a vu la, quand on voit la porte de. Ah, c'est bon, ça y est, c'est débloqué de ce côté-là. Oui, effectivement, Tom, il y a le pare-choc qui bloque la direction suite à un contact. On est obligé d'enlever le pare-choc pour des raisons de sécurité, bien évidemment. Voilà, très bien, c'est fait. Allez, tout va bien, c'est reparti. Mais je me demande quand est-ce qu'il y a eu contact quand même. Oui, parce que à part le dernier virage, je pense que c'est dans le virage. Bah ouais, on va se demander où est-ce qu'il y a contact. Il trique large. Il a envie d'y aller, Armindo, hein. Il sait qu'il y a eu contact, il dit toi tu m'as fait une porte, je vais t'en faire une aussi. Mais Michael Perrotet n'est pas en reste, hein. Il lâchera pas son morceau de viande. Il va aller jusqu'au bout. Dernier virage, avant-dernier virage. Avant-dernier clip et dernier clip et dernier virage. Ligne d'arrivée dans ce petit gauche qui pourrait s'apparenter à un long gauche sur ce tracé, mais en fait c'est un petit virage quand même. Run fait, c'est validé pour Michael Perrotet et Armindo Martin qui vont rejoindre donc la ligne d'arrivée. Nous on va en profiter pour revoir le replay. J'espère que ça plaît au public venu en nombre. Je pense que si ça. À chaque fois, il y a beaucoup de monde qui découvre la compétition et c'est un plaisir parce qu'il y a énormément de novices. Je vais profiter du replay pour regarder quand est-ce qu'il y a eu contact entre. Alors, pas maintenant, regarde si tu vois bien, il n'y a toujours pas la trace là, sur la voiture d'Armindo. Là, il n'y a toujours pas la trace. C'est au dernier virage. Je pense que c'est au dernier virage, effectivement, que ça a touché. Ah oui, ça a touché dans les virages. Bah écoute, j'en profite, on marque le top stream. Je voulais remercier les viewers. Je vous vois pas aujourd'hui, j'ai pas l'occasion d'échanger avec vous, mais on me balance une super photo sur le téléphone avec les top messages. Le S qui a écrit 76 messages, les top messages. Le Beamer 33 Gironde, Fredo Rizer, Tigrou Tech 31, Pedro 66 34, Kevin Robin, Ricardo Barros, ABC. Toi, tu t'es pas emmerdé. CR Pierrick et Sangelo. Bah, ça, c'est les top messages du stream. Donc, merci à vous parce que j'ai pas l'occasion d'échanger avec vous, mais vous tous qui nous regardez, je sais que vous êtes nombreux et chaque fois de plus en plus nombreux. Donc, je vous dis merci et c'est une victoire de Michael. Merci à toutes et à tous, que ce soit le public présent et les viewers sur les réseaux. Et Michael Perrotet, il va me lâcher. Ah, il a la banane. Ah, il aime ce genre de public. Ah, oui. Ça a l'air de lui plaire en tout cas ici. Merci à toutes et à tous de nous suivre. C'est un bonheur de vous avoir à chaque fois.
Allez, Benjamin Boulbès sur la start line face à Stephen Saad. Top départ pour Benjamin Boulbès, leader, suivi par Stephen. Stephen qui n'hésite pas à couper un petit peu là pour venir dans la porte de Benjamin. Benjamin qui impose une belle ligne ici, il va réussir à linker les deux virages. Oui, c'est propre, toujours dans la ligne imposée par les juges, demandé en tout cas par les juges. Et Stephen Saad derrière, qui n'est pas tant en reste que ça. Il se fait un petit peu peut-être distancé sur la fin. Hero dive ici justement pour remonter. Bien joué, Stephen. Alors j'ai l'impression que le public s'endort un peu là. Est-ce que ça va dans le public de Val d'Argenton? Est-ce que... Non, vous vous endormez là, vous vous endormez. Une dernière fois, est-ce que ça va? Et ben voilà, j'ai eu peur que vous soyez endormi, que la compétition vous plaise pas. Est-ce que vous avez envie de revoir cette compétition l'année prochaine? Je crois que la réponse est oui. Je crois que la réponse est oui. On vous garde. Vous, vous avez intérêt à revenir l'année prochaine. C'est surtout ça qu'on veut voir. C'est vous qu'on veut voir l'année prochaine. En attendant, on passe à la battle entre Stephen Saad et Benjamin Boulbès. Le run numéro 2, c'est maintenant dans quelques secondes. Merci d'être parmi nous, les amis. Vous êtes juste géniaux ce week-end à Val d'Argenton. Deux jours juste exceptionnels. On n'a pas fini de vous faire plier. Ça c'est sûr Tom, on n'a pas fini. Et peut-être même maintenant avec Stephen Saad en leader suivi par Benjamin Boulbès. Beau déclenchement de Stephen Saad ici. Benjamin Boulbès qui va tenter la proximité peut-être sur Stephen. Il a un léger avantage Benjamin en termes de vitesse. Ça c'est indéniable. Est-ce qu'il va maintenant réussir à résoudre l'équation? Pour l'instant Stephen Saad impose une, quand même une très très belle ligne leader. C'est maintenant pour Benjamin, attention, on rappelle qu'il a fait une erreur ici en voulant tenter le dive. Et non, magnifique. Quelle pression de Benjamin Boulbès. Ah oui, quelle pression sur Stephen Saad. Stephen qui rejoint, ouais, il sort la main, il est heureux Stephen. Il rejoint la compétition en pro cette année. Quel bonheur d'affronter le multiple champion de France en titre Benjamin Boulbès dans des conditions pareilles, avec un public pareil, avec des viewers au top. Je sais qu'il y a eu 2600 messages postés par plus de 600 personnes. Donc rien que pour ça, je vous dis merci beaucoup d'être aussi chaud sur les réseaux. C'est super important parce que ça nous aide pour la suite, pour améliorer notre live, pour avoir toujours plus d'images pour vous, à vous donner, et pour toujours plus vous faire partager notre passion et notre sport, si possible à travers nos yeux. On essaie de vous le faire vivre de la meilleure façon possible. Et avec Vincent et toute l'équipe de Ricardo, toute la Red Team, surtout la Red Team et Ricardo qui se donnent énormément de mal. Nous, c'est simple, on a les fesses posées dans une chaise. C'est assez facile, mais voilà, on essaie de vous fournir les meilleures images possibles avec la meilleure qualité. On n'est pas les meilleurs. Et on essaie toujours de s'améliorer pour vous faire plaisir. Ça reste nos objectifs principaux. Hein. On reste jamais sur nos acquis. On essaye toujours de s'améliorer. Et je pense que c'est un peu comme les pilotes aussi. La preuve en est Benjamin Boulbès qui s'améliore aujourd'hui. C'est certain avec son passage en top 8. Benjamin Boulbès qui vient d'affronter Stephen Saad. On peut applaudir aussi très très fort Stephen. Stephen qui passe devant vous avec la Nissan S14. On peut faire énormément de bruit pour Stephen Saad. Sa première participation en pro au championnat de France de drift. Félicitations à lui et félicitations à Benjamin aussi, à Benjamin Boulbès qui sort d'une mauvaise passe sur la manche numéro 1, sorti en top 32 et qui vient maintenant se battre en top 8 face à l'un de ses deux pilotes. Le Catelli Mathias face à Jouan Geoffrey. C'est parti pour... Ouh là là, Geoffrey Jouan, il sort très très large. Il sort large en général ici. Hop, la roue s'incruste dans le vibreur. Il est allé loin quand même. Geoffrey Jouan, il est allé loin derrière le bac à sable. Mathias, lui, continue son parcours. Il reste sur une bonne dynamique ici. Voilà, il a cherché la ligne imposée, demandée par le juge. Et c'est une bonne chose. Ce qui s'est passé en fait avec Geoffrey Jouan, on va revoir le replay, mais c'est dès le déclenchement, il était mal placé. Il était mal placé parce qu'il a déclenché bien à l'extérieur par rapport au leader.
on va le voir. Et ça l'a mis dans la sauce tout de suite. Hop, ouais, beaucoup trop extérieur, à la même vitesse, mais beaucoup trop extérieur en fait. Donc forcément, il vient manger le bord de la piste et ça le déstabilise. Ah, malheureusement, c'est une erreur un peu de. Je sais pas si on peut considérer ça comme si c'était une erreur de débutant, parce que c'est pas le mot, le dire que Geoffrey Jouan est un débutant, ça serait quand même très péjoratif de ma part. Mais c'est une erreur qui va lui permettre d'apprendre que les conditions sont pas toujours les bonnes. Il faut bien se placer, surtout sur un déclenchement comme celui-ci. Et top départ, prise d'information, on regarde le feu. Et c'est parti, top départ pour Geoffrey Jouan. Il dépose un peu de cailloux. C'est un petit peu comme un Mario pour essayer de gêner l'adversaire, peut-être. Allez, non, trêve de plaisanterie. Mathias Ocatelli n'en fait rien. Il est là dans la porte de Geoffrey Jouan, qui est très rapide également. Hein. Geoffrey Jouan, attention, c'est un adversaire de taille. On en a pu le voir hein, sur les autres battles. Ouh, Locatelli qui arrive très très fort. Attention, Locatelli, je l'ai vu. Il est dans la fumée là, Locatelli. Ouais, il est un petit peu dans le brouillard là. Locatelli qui avait l'avantage de toute façon sur son premier run. Et on est littéralement enfumé du côté de la tour, on voit presque plus rien, c'est le brouillard. Heureusement qu'il y a un vent parfait ici. Il n'y aurait pas de vent, malheureusement, ça serait difficilement vivable, parce qu'on aurait du mal à voir ce qui se passe. Mais là, il y a juste ce qu'il faut. Une légère brise pour évacuer la fumée, c'est parfait. On dit apparemment que Mathias Locatelli fumerait la chicha dans sa voiture. Apparemment. Elle aime des drifts. Les deux pilotes rejoignent la zone des résultats. Alors que je peux remercier Alex, modeur, startliner, balayeur, le mec sait tout faire et il n'est pas marié. Pas encore. Le résultat en ligne, ici sur vos écrans. Et pour vous, public, voix 2 pour Locatelli, 3 voix pour Locatelli. Victoire de Mathias Locatelli donc. Suite à l'erreur de Geoffrey Jouan sur son premier battle, sur son premier run, malheureusement, il s'est pénalisé. Il laisse la place à Mathias. Le bon top parcours, 8 hein, s'affiche sur notre écran actuellement. On a sur la gauche de notre écran Antoine Lamar qui sera opposé à Geoffrey Jouan, Jérémy Mérirès face à Nicolas Jouard, Guillaume Guillot face à Michael Perrotet, Benjamin Boulès face à Mathias Locatelli. De très très belles battles en perspective. On a hâte de voir la suite de notre événement. Justement, elle commence tout de suite, cette suite, avec d'un côté sur votre droite Antoine Amar Poleman, deux fois d'affilée sur le circuit du Val d'Argenton pour cette première participation en tant que championnat de France de drift. Et sur votre gauche, le pilote de la BMW E30 orange et noir, Geoffrey Jouan. Non, c'est pas Geoffrey Jouan. J'ai eu un petit bug. Pourtant, ça fait longtemps que Geoffrey est parmi nous. Geoffrey est pilote instructeur aussi également. Geoffrey Jouan, oui. Jérôme Bourgouet. Pilote instructeur, Jérôme. DSC Off. Si vous ne le connaissez pas. Allez, appel contre Antoine Amar, toujours fidèle à sa mise en. Son initiation, comme on dit. Voilà, toujours aussi fidèle. Allez, continue sur sa lancée, Antoine. Derrière, Jérôme Bourgouin qui va tenter de mettre de la proximité, ça a l'air compliqué, Antoine Amar a l'air rapide. Et quoique il ne se laisse pas trop avoir, Jérôme Bourgouin ici, dernier virage. Charge. Quel c'est bruit exceptionnel pour cette Nissan S13. Quel bruit exceptionnel, on voit la préparation, le travail du moteur. C'est une des choses qui m'a attiré dans ce sport, c'est vraiment le pousser les moteurs dans les limites de leur capacité. Mais aussi dans leur limite de fiabilité, parce qu'il faut trouver un juste milieu entre capacité et fiabilité. Avoir des chevaux, c'est bien, être fiable, c'est beaucoup mieux quand même. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut sortir des 2000 chevaux sur un moteur, même un 4 cylindres. On arrive à sortir 2000 chevaux sur un 4 cylindres, mais on démonte après 200 mètres. Ça se fait effectivement, bon, c'est des moteurs voilà, de 400 mètres.
je suis pas sûr, 2000 chevaux sur un 4 cylindres, peut-être que je m'avance un peu. Mais en tout cas, 1000 c'est en possible. Formula Drift, on a déjà vu 1000 chevaux, hein, notamment. Sur des 4 cylindres ? Oui. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Récent, c'est vrai, c'est vrai. Largement préparé. Oui, surtout très entretenu en fait, c'est des moteurs qu'on démonte à chaque course, en entier, on remplace tout quasiment en entier, ça coûte extrêmement cher en entretien. Et c'est pas pour l'instant pas concevable. Grand retour, Jérôme Bourgouin, leader. Et Antonin Marre en suiveur cette fois-ci, c'est parti, top déclenchement. Oh là là, déjà, dive extraordinaire. Ah oui, magnifique. Oh là là, il est presque contact, je suis sûr qu'il est venu toucher. Pousse-toi de la que je suis sûr qu'il est venu toucher. Ah, c'est certain, il a redonné un petit peu d'angle ici. Jérôme Bourgouin, du coup, le sait. Toujours aussi essaye de s'éloigner un petit peu. Toujours aussi à l'aise, Antonin Marre, sur le transfert aussi également, clip numéro 6, l'avant-dernier virage. Allez, si souvent on le sait, il y a du contact. Il lâche pas. Pareil, et oui, dernier il virage, bien jusqu'au contact. Le presque speed à la fin, c'est bon, il s'en sort bien, notre ami Antoine. Aïe, 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 aïe. Vous le connaissez son surnom ? C'est Nervous. Voilà, vous voulez savoir pourquoi ? Eh bien, vous avez votre réponse à l'instant sur votre écran. Nervous, on a vu Giro qui était comme un fou aussi à la fin de cette battle. On va revoir. Je suis désolé, je vais plus m'orienter sur l'écran de droite que sur l'écran de gauche. Je suis pas obligé d'être impartial sur cette compétition. Les juges, par contre, ont intérêt à l'être. Ils le sont. Regarde-moi cette battle juste. Extraordinaire. Extraordinaire. De voir ça encore une Antonin fois. Antonin Marre avait ce petit truc supplémentaire pour venir au contact. Ce que Jérôme Bourgouin n'a pas eu. Même si Jérôme Bourgouin, dans les transitions, avait à peu près la même distance. Mais il n'a pas cette... Il n'avait pas cette ressource nécessaire, suffisante pour venir s'appuyer sur la portion adversaire, alors qu'Antoine oui. l'avait. Surtout qu'après, on regarde, il n'y a pas grand-chose qui a bougé sur les véhicules. Hein. La fibre se tord et se détord assez facilement. Elle encaisse pas mal les coups. C'est une victoire bien méritée d'Antoine Amart. S'il vous plaît, un max d'applaudissements pour Antoine Amart, mais aussi pour Jérôme Bourgouin, parce que les deux battles étaient juste magnifiques. Merci à eux. Première battle, rendez-vous donc en top 4 pour Antoine Amart. Alors Marc continue le chemin d'hier. Marc continue donc sur le même chemin qu'hier. Il affrontera soit Gleyot, soit Perroté. Ça, on verra encore ça dans deux battles. Il place Amériès face à Jouard. Ça s'annonce assez compliqué d'avance, hein. On connaît la différence de puissance entre les deux voitures. On va voir le résultat sur la piste, je rappelle quand même sur un circuit de karting où il ne faut pas forcément 1200 chevaux pour s'imposer. Mais c'est vrai que souvent la puissance et le grip vont être à l'avantage ici. Bien sûr. Surtout le grip d'ailleurs. Attention au grip pour le coup, parce que là il a joué des tours à beaucoup de pilotes. C'est un peu la course à l'ultra performance. Et les mecs aînés qui tiennent pas, ça encaisse pas toujours. Et malheureusement, les points ne vont pas s'accumuler pour le début de saison. Et dans le public, est-ce que vous êtes chaud pour la prochaine battle ? Je vais te le refaire. Voilà, avec l'autre micro, parce que je crois qu'on nous entend mieux avec l'autre micro dans le public. Est-ce que dans le public, vous avez envie de revoir une battle ou pas ? Est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'on continue du côté du public ? C'est bien ce que je dis. Alors là, est-ce que vous m'entendez du côté du public ? Est-ce qu'on continue ? J'ai pas l'impression qu'ils m'entendent. Ils crient tout le temps, mais. Ils crient trop. Parce que quand ils m'entendent, ils sont opérationnels. Magnifique plan sur Exis, notre partenaire officiel de ce championnat. Voilà les deux pilotes qui viennent se présenter. Alors j'ai pas l'impression que le public nous entende. Est-ce que vous entendez le public ? Faites du bruit si vous entendez. Non, j'ai pas l'impression. Non. Parce que c'est pas compliqué de leur demander de faire du bruit. Ils sont assez réceptifs là-dessus. Finalement. Ils sont assez réceptifs. Allez, battle suivante. Une très belle battle de véhicules japonaises. La S14 pilotée par Michael Perrottet. Subit de Guillaume Gliot. Qui est suiveur ? Qui vient déjà à très belle proximité sur le début du tracé. Premier virage, enchaînement sur deuxième virage, clip 3. Ici, Michael Perrottet qui prend un petit peu son envol. Qui va peut-être se faire rattraper par Guillaume au volant de la Toyota. La Toyota qui transfère, qui accuse un petit peu le coup derrière. Michael Perrottet qui prend de l'avance.
et qui va jusqu'à la ligne d'arrivée, qui glisse jusqu'à la ligne d'arrivée sans aucun problème, sans aucune perturbation. Pareil pour Guillaume qui s'en sort plutôt bien avec cette Toyota Supra, comme on l'a dit, qu'il le connaît depuis peu, qu'il connaît depuis très peu, parce qu'il joue, il roule avec depuis avant-hier, c'est tout. Il a fait même très peu de passages depuis avant-hier. Alors on m'informe que c'est la fin de la règle des 5 minutes pour jouer, il ne peut plus se présenter. Vincent, pour Jérôme, on ne nous entend pas dans le public en prix de nuit. Jouard a un problème mécanique. Nicolas Jouard face à Jérémy Muriès, c'est ça? La battle Nicolas Jouard, Jérémy Muriès. J'avais pas eu l'info qu'en quoi c'était la règle des 5 minutes. Et ben, on a. Ils ont appelé 3 fois et ils ont pas réagi, donc on va essayer de faire réagir. On va essayer de. J'ai l'info parce que du coup ça nous permet d'échanger en fait. Vincent qui a le toki ici qui échange avec la piste pour savoir. Si effectivement le but étant que tout le monde nous entende, que ce soit vous sur le live mais aussi dans le public, il y a un petit souci avec la sono. Alors en tout cas, la battle est lancée effectivement. On va essayer d'interagir avec le public ici présent à croire, pas encore. Excusez-moi. Val d'Argenton, on y est. Trop d'émotions ici, ça me fait perdre un peu la tête. Non, on est au Val d'Argenton effectivement et on a une très très belle battle. Et toujours autant de proximité de la part de Michael Perrotet. Notamment sur Guillaume. Oh Guillaume, non, mais quel bordel! Il s'arrête le sur la ligne d'arrivée. C'est un zéro. Peu importe ce qui se passe, peu importe la notation, peu importe la battle, qu'elle soit trop gourmandise ou non, c'est un zéro pointu sur la ligne d'arrivée. Un petit peu trop gourmand, notre Michael. À quelques mètres près, c'est extraordinaire. Elle en aura fait cette ligne d'arrivée. Elle en aura fait des dégâts. Elle en aura fait des malheureux. Alors je ne vais pas m'avancer, mais ça ressemble fortement à un zéro quand même. Ah mais on connaît bien les règles. J'ai tourné la tête au moment où les juges ont vu l'action et ils m'ont montré littéralement avec le doigt que c'était un zéro. Exactement. Michael Perrotet qui doit être déçu, c'est dommage. Vraiment, vraiment, il doit être déçu. Pas déçu de sa performance générale. Top 8, c'est un beau score après une belle qualif aussi, mais... C'est pas passé loin, Guillaume, quant à lui, s'il emporte, c'est parce qu'il a été très bon, il a été très régulier. Allez, Perrotet qui fait deux fois le même parcours, hein, si son histoire s'arrête là. Il va rentrer dans les points pour le classement général. Deux fois top 8. Victoire de Guillaume Guillot, félicitations Guillaume, on peut l'applaudir très fort. Allez, dans le public, n'hésitez pas à applaudir, faites du bruit. Pour ces deux pilotes. On peut applaudir aussi très fort Michael Perrotet. Qui nous a offert un spectacle jusqu'à présent. Alors j'ai une petite anecdote sur Guillaume Gleyot si vous voulez. Vous savez comment il sait que son véhicule chauffe? Non. Quand son interrupteur qui déclenche le ventilo se met à fumer. C'est vrai. Je le tiens de lui-même, oui. Okay. Il m'a dit c'est assez exceptionnel, faut qu'on revoie le circuit électrique je pense. D'accord, ok, c'est une solution. L'avantage c'est que c'est plus visuel qu'un voyant. On s'y attarde un peu plus. Jérémy Mérimès qui va s'élancer donc pour un Byron. Suite à l'abandon de Nicolas Jouard. Nicolas Jouard. Que d'abandon aujourd'hui, que de défaites sur casse mécanique. Ouais, c'est souvent le cas hein, dans les doubles manches comme ça. C'est assez difficile. Ouais, alors c'est une genre de casse, si tu veux, c'est des genres de casse qui m'étonnent parce que elles arriveront sur une double manche comme ça. Peut-être que vaut mieux que ça arrive sur une double manche comme ça où ils ont eu le temps de rouler hier. Parce que je pense qu'un cardan qui casse comme ça parce qu'il est usé ou parce qu'il a un petit défaut, on va pas le voir en revenant. C'est-à-dire que imagine la compétition se termine ce samedi, les pilotes rentrent chez eux. Ils vont pas forcément changer les cardans, ça se voit pas forcément, si ça s'entend pas, si ça claque pas, il n'y a pas de raison de changer un cardan. Donc ils seraient revenus sur une nouvelle manche, peut-être à Croix-en-Ternois, pour certains c'est 1000 bornes, et avec ces cardans, et puis ils auraient fait exactement la même performance qu'aujourd'hui, passage en top 32, arrivé en top 32, casse cardan, là ça aurait été vraiment, vraiment malheureux pour eux. C'est vrai que ça aurait été malheureux. Allez, Byron réussit pour Jérémy Mérides qui a priori la réparation tient, donc tant mieux.
tant mieux pour Jérémy Mérigres, voilà, qui va aller se présenter sur la ligne d'arrivée. Il a effectué son bye run. Met de la pression dans les pneus. Les pneus sont pas trop écrasés derrière. Ça, c'est ce qu'on arrive à voir. Pour aller chercher de la motricité et du grip, les pilotes roulent avec des pressions très très faibles, en dessous de 1 bar. Oui, ça paraît très faible. Je vous invite surtout pas à ne faire ça sur votre véhicule de tous les jours, parce que les pneus pourraient littéralement exploser. Oui, c'est très dangereux. En fait, vous pouviez déjanter ou exploser. Bon, c'est pas. De toute façon, il y a des préconisations hein, sur normalement dans les portières des voitures. C'est ça. Donc elles sont faites pour être respectées. Victoire de Jérémy Mérigres. On peut l'applaudir aussi parce que juste pour son parcours jusqu'en top 4, Jérémy Mérigres qui s'offre peut-être une place, potentiellement une place sur le podium. Il nous reste quelques mètres encore à gravir. Alors on m'annonce la règle des 5 minutes pour Mathias Locatelli qui n'est pas présent en zone de chauffeur. Encore une règle des 5 minutes pour un pilote, en espérant qu'il puisse réparer à temps. Locatelli qui devait affronter Nicolas Jouard pour sa qualification. Locatelli, Nicolas Jouard, je suis pas sûr. Parce que Nicolas Jouard a abandonné. Qui devait affronter Boulbès. Oui, c'est Benjamin Boulbès. C'est parce que je ne l'ai pas noté en fait. Benjamin Boulbès qui est attendu du coup pour sa règle des 5 minutes. J'essaie de voir si Benjamin il doit être proche, prêt pour aller en zone de pré-gris. Il reste encore 4 minutes sur le chrono. J'essaie de voir, si à l'image. Mathias Locatelli. Alors a priori, Locatelli il serait encore dans le paddock. Il est en train de rejoindre la voie des stands pour aller en zone de chauffe. À partir du moment où Locatelli aura posé ses roues dans la zone de chauffe, le chronomètre des 5 minutes s'arrêtera. Pour l'instant, on continue de faire tourner le chrono. C'est la règle. Alors qu'est-ce que la règle des 5 minutes? C'est-à-dire que quand le pilote est appelé pour une battle, s'il ne se présente pas à la zone de chauffe, on déclenche la règle des 5 minutes qui vient de s'arrêter. J'ai entendu le directeur de course annoncer. Voilà, on a vu la fin du chrono. C'est bon pour Mathias Locatelli à 3 minutes de la fin. Donc on déclenche la règle des 5 minutes à partir du moment où le pilote est appelé et qu'il ne se présente pas. On lui laisse 5 minutes pour finir éventuellement une réparation et venir se présenter en zone de chauffe. Règle ça qui ne s'applique pas entre deux battles. Et effectivement, ça ne s'applique pas entre deux battles. Pas de mécanique entre deux runs. Enfin, pas entre deux battles, mais entre deux runs. C'est trop facile, sinon j'ai crevé un pneu, est-ce que je peux le changer? Non, il faut que le pneu tienne jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'il faut s'équiper de nos pneus Zecnova ou Destino, partenaires du championnat. Ce sont des pneus solides et vous pouvez les équiper sur vos voitures, même de tous les jours. Ils sont homologués route. Alors on entend les pilotes derrière la tour des juges en train de chauffer les voitures. Ils vont venir se présenter sur la start line dans quelques instants. Sachez que les pilotes ont une minute chacun pour chauffer leurs pneus. C'est la réglementation. Oui, ils ont une minute pour se présenter en pré-gris juste avant d'arriver sur la ligne de départ. Mais je vois déjà Benjamin Boubès et Mathias Locatelli qui sont prêts à rejoindre. On va les équiper des boîtiers télémétriques. Ces boîtiers-là, c'est des boîtiers qui sont placés à l'arrière des véhicules pour nous des informations, des informations télémétriques, c'est-à-dire la vitesse, l'angle, la position exacte du véhicule sur la piste, des paramètres qu'on ne pourrait pas voir à l'œil nu. Bon, la position, on peut la voir à l'œil nu, mais la vitesse exacte, l'angle exact et des phases d'accélération ou de décélération, par exemple, ça, c'est tout ce que la télémétrie peut prendre en compte. C'est utile. Des choses que l'œil humain ne peut sûrement pas. Oui, c'est utile. Par exemple, imaginons qu'il y a un pilote qui soit de mauvaise foi, qui fasse un freinage au mauvais moment ou une désaccélération au mauvais moment pour déstabiliser son adversaire qui est suiveur. Et ben, ça pourrait se voir à la télémétrie et on pourrait lui attribuer soit des points en moins carrément, soit un zéro sur la run. Effectivement, allez, ils sont présents. Locatelli qui était mieux classé aux qualifications que Benjamin Boulbès. Partira forcément le leader. 900 face à 1200 chevaux.
Et c'est très serré sur le départ, oulala, c'était presque au contact sur l'appel contre appel en tout cas. Benjamin Boulbès, il va essayer de mettre la pression. Oh là là, quel angle de Mathias Locatelli. Locatelli, oui, qui met beaucoup d'angle ici. Benjamin Boulbès qui prend un petit peu de retard, là, qui accuse le coup sur le transfert, sur le link contre les virages 2 et 3. Locatelli continue sur sa dynamique. Ici, transfert pour le dernier virage. Benjamin Boulbès qui se retente encore le dive. Qui a du mal, hein, qui a du mal à suivre. Il a essayé, mais non, pas ici. Il était presque à deux doigts de reproduire l'erreur de tout à l'heure. Nouveau setup, nouveau pneu, mais ça arrive pas encore à motricer autant que le monstre qui est piloté par Mathias Locatelli. C'est impressionnant. L'angle ici, il est cochon, comme on dit chez moi. Il est vraiment cochon, l'angle. Il a pris énormément de risques sur cette battle, Mathias. Pour l'instant, sur ce run, ça devrait payer. Il reste un run retour. Le but étant pour Mathias là, c'est de ne pas faire d'erreur. Parce que l'erreur en suiveur, elle est beaucoup plus facile à faire qu'en leader. En leader, il n'y a personne. Les pilotes qui sont à ce niveau-là de la compétition, quand ils sont leaders, ils sont assez sereins. Ils font leur passage comme ils l'ont à faire. Le but étant d'aller le plus vite possible pour ne pas se faire pousser par son adversaire. Quoi. Bien sûr, on peut voir un petit peu profiter de l'intérieur de la voiture. On peut voir que c'est parfaitement vidé. Il y a une boîte séquentielle, il me semble, pour oui, Benjamin Boulbès, une Sadev. Frein à main. Voilà. Le poste de pilotage un peu du drifter. Et une Samsonas, je crois, sur le véhicule. De Locatelli, c'est parti pour Benjamin Boulbès. Stop déclenchement pour Benjamin, suivi par Mathias. De très collé près, par Mathias. Venir lui mettre la, collé la, par Mathias. Le transfert sans problème. Super synchronisation sur synchronisation, le transfert ici. Attention, 4. Un petit peu pour Mathias. Ça ici. Oh, il a... Non, j'ai cru le voir toucher avec le drapeau s'agiter. Clip 7 sur la parfait. Voiture de Benjamin. On continue comme ça, on lâche pas jusqu'à la fin. Locatelli de l'angle pour là, il prend un petit peu plus d'angle. Le transfert magnifique ici sur ce dernier virage. Quel travail de Mathias Locatelli, mesdames et messieurs. On peut les applaudir tous les deux. Bravo. Excellent il s'est passage. Pas laissé avoir. Il s'est pas laissé avoir. Il a bien joué le coup. Il a joué le jeu également. Il aurait pu garder un petit peu de distance et sécuriser. Il a joué la non, proximité. Non, il n'est pas du genre. Il a eu raison. Il n'est pas du genre. Il a le couteau entre les dents. C'est un sabre. C'est même plus un couteau à ce niveau-là. C'est un sabre entre les dents. C'est mon pirate. Reparti, regardez-moi le replay. Bon, on savait qu'il y avait une différence de vitesse entre les deux véhicules, donc forcément, il devait jouer la proximité sur le run numéro 2. Mathias Locatelli au volant de la BMW 92. C'est une couleur, je ne sais pas si c'est du jaune ou du vert exactement, mais c'est la couleur des dernières BMW M3, si mes souvenirs sont bons. Des toutes dernières. Je crois que c'était un jaune. Ça fait un peu couleur d'une marque qu'on peut pas citer. Ah ben, je la connais pas, la marque que tu peux pas citer, mais BMW, ça me va bien déjà. Ça va très bien. On peut les applaudir. Victoire de Mathias Locatelli. Mathias Locatelli, bravo. Le pilote grenoblois. Qui gagne son top 4. Rendez-vous au top 4, Locatelli. Et on a déjà la battle du top 4. Battle assez intéressante en approche. Quand Antoine Amar, pardon, face à Jérémy Mérires. C'est vrai que j'ai des couilles SRG. On les voit un petit peu partout aujourd'hui. On les a un petit peu à tous les niveaux du top 32. Oui, c'est vrai. Donc c'est tout le temps là. Je m'attendais à avoir Quentin, mais non. Quentin n'est plus en lice. Malheureusement, il avait affronté justement Jérémy Mérires. Non, cette fois c'est Antoine Amar face à Jérémy Mérires. Du lourd, du très très lourd en perspective. C'est deux énervés du pilotage, deux énervés du drift. Vous avez d'un côté Nervous, de l'autre côté le Switch Rider Jérémy Mérires. Vous êtes venu voir du spectacle. Si c'est le moment pour voir du spectacle, c'est ce moment-là. Le top 4, en sachant que ces deux pilotes vont la possibilité, il y a un de ces deux pilotes, c'est sûr et certain qu'il ira sur le podium, c'est certain, mais dans tous les cas, si un de ces deux pilotes perd, il a encore une seconde chance, oui, parce la troisième place. Le pilote gagnant va en grande finale, le pilote perdant dans cette battle va en petite finale. Top départ, top départ. Antoine Amar,
Un tas de noirs qui a été difficile à suivre hein, tout au long de la journée, avec des, même avec un angle aussi extraordinaire. Il monte aussi ici sur Vibreur. Il se fait rattraper par conséquent par Jérémy Mériles qui est derrière, qui va rien lâcher. Transfert ici sur clipping numéro 4. Il vient de chercher le 5 ici qui est un peu difficile à rallonger. Mais Antoine Amar réussit à garder beaucoup d'angle sur ce clip 5. Le 6 ici passe sans problème. On voit Jérémy Mériles un petit peu en difficulté derrière. Sur un rapport. Il est un tout petit peu plus lent, mais c'est pas grave. C'est difficile de tenir le rythme avec un Nervous toujours aussi Nervous. Hein. Nervous toujours aussi effréné. Il ne se loupe pas pour le moment. Alors on profite du replay ici pour analyser un petit peu la situation. Ouais, il est presque venu au contact. Je ne sais même pas s'il n'y a pas une touchette ici. Oui, il y a peut-être une touchette, ouais. C'est possible, c'est envisageable. Mais en tout cas, je suis impressionné. Antoine Amar mérite vraiment sa place de poleman parce que c'est lui qui prenait sur ce link là, sur le clip 4, c'est celui qui prenait le plus d'angle et qui arrivait à aller le plus loin possible avec sa voiture. Aïe 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 aïe, quel déclenchement! Ils ont déjà placé. Il regarde s'il n'y a pas eu une différence d'angle ici. On va voir la caméra drone, qu'est-ce qui se passe? On a eu l'impression de voir, surtout Antoine Amar, je pense, savoir ce qu'on a dit des juges ici. À ce moment-là, il est monté, il est grimpé un peu sur le vibreur. Il a recorrigé un petit peu. Mais on voit pas d'erreur majeure. Il y a une correction, mais pas d'erreur majeure, j'ai l'impression. En tout cas, ça vaut de belles images au public. Très très belle idée d'Antoine Amar, on peut voir aussi à quel point il vient chercher les clips. Ligne d'arrivée. Ça se questionne déjà en tout cas pour, ouais, forcément, pour les juges. Forcément, on est sur les petite finale. Ils prennent un petit peu d'avance hein, sur les battles, sinon ils vont devoir regarder, analyser les deux passages en même temps. Là au moins ils savent à quoi s'en tenir et ils se concentreront uniquement sur le run retour maintenant. Jérémy Mériles, leader. L'affrontement de 6 cylindres n'est pas la même puissance. Allez, top déclenchement pour Jérémy Mériles, Antoine Amar. Oh, déjà l'attaque, presque au contact. C'est très serré sur ce début de tracé. Allez, je suis confiant ici pour Antoine qui va sûrement revenir au contact à l'entrée du virage numéro 3. Qui garde encore un angle assez impressionnant sur cette dernière partie de tracé. L'avant-dernier virage, clipping numéro 6 ici. Antoine Amar qui, je trouve, réussit à garder une proximité assez impressionnante pour le coup, le transfert ici magnifique d'Antoine Amar jusqu'à la ligne d'arrivée. Oh là 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 là. Qui est propulsé là sur la fin du circuit, Jérémy. Ah, c'est exceptionnel ce qu'on voit là. Bravo, bravo Antoine et bravo à Jérémy. Ça va tellement vite. Si vous imaginez même pas, le circuit est quand même relativement petit et ça va à une vitesse. Fin de règle pour des 5 minutes pour Locatelli apparemment. Donc tout va bien, il sera présent pour en découdre. Voilà, regardez-moi ces replays juste extraordinaires, c'est juste magnifique. Zeknova, les replays by Zeknova Performance Tires. Le résultat dans quelques secondes. C'est une victoire d'Antoine Amar. Antoine Amar qui remporte la victoire. Rendez-vous en grande finale pour Antoine Amar. Tout n'est pas perdu pour Jérémy Mériles. On peut les applaudir tous les deux. Jérémy, on lui donne rendez-vous dans la petite finale qui va avoir lieu dans quelques minutes. Antoine Amar qui réussit l'exploit de s'améliorer par rapport à la veille. Là, je peux vous dire une chose, c'est qu'Antoine, il est en train de prendre énormément de points pour tout le championnat. Deux manches en un week-end, deux manches pole position, deux manches. La première manche, il était au pied du podium en quatrième position. Donc déjà, il fait pas mal de points. Là, il est certain d'être premier ou deuxième ce week-end. Dans tous les cas, il va marquer beaucoup de points. Il s'installe de manière stable sur le début de cette compétition. S'il continue comme ça, il a déjà été champion de France, hein, Antoine Amar. Il pourra réitérer l'exploit cette année. En tout cas, on va voir si Guillaume Gliot et Mathias Locatelli
vont se battre corps et âme sur cette battle. Ça va être compliqué ouais, pour Guillaume. Il y a deux différences de préparation sur, de véhicules. Ouais. Sur Guillaume ici, Guillaume qui ne roule pas sa voiture hein, en plus. Ouh, Locatelli qui sort un peu large ici, ouais. Est-ce que ça profite c'est un petit peu c'est dur, c'est dur, c'est très très dur. Pour notre ami. Le run retour va être magnifique, c'est certain. S'il n'y a pas d'erreur de la part de Mathias. Ça va être compliqué pour Mathias derrière, hein, vu le boulevard qu'il a mis, littéralement, on peut le dire. Ouais, là, il y a clairement un boulevard. Comme on dit, malheureusement, il n'y a pas battle. Il n'y a pas battle. Il n'y a pas battle. Attention à notre ami Gleio de ne pas. Enfin, Locatelli de ne pas arrêter son drift. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On ne sait jamais ce qui peut se passer, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Les deux pilotes sont prêts sur la start line. Le run numéro 2 cette fois-ci, c'est à Mathias Locatelli de savoir se débrouiller derrière Guillaume Gleio avec cette Toyota Supra qui certes est moins rapide, c'est certain, on l'a tous constaté, et c'est là où la difficulté va se faire sentir. Justement, c'est là où la difficulté va se faire sentir. Ça va être compliqué de tenir la cadence pour Guillaume. Il va se faire probablement pousser par Mathias. Si Mathias ne fait pas d'erreur sur cette battle, il a le droit de monter en finale ou en grande finale. Si Guillaume Gleio fait d'exploits sur cette battle, lui aussi il pourra y avoir le droit. Et c'est parti, top départ. Ah, j'ai l'impression que Guillaume peut traiter un peu le rapport au démarrage. Allez, est-ce que Locatelli va jouer le jeu? On sait qu'il va jouer le jeu, il va aller au contact. Bien sûr qu'il va au contact. Je n'en fais Mathias. Aucun doute ici. On n'est pas à l'heure de la stratégie, on est là pour le spectacle. Ça a l'air compliqué. Ça hein, corrige un tout. Là, il y a une correction derrière. Correction forcément. Le manque de vitesse de Gleio se fait sentir. Mais il y a une belle ligne en tout cas. Oh là 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 là, il est quasiment contact. Arrivé au ici, contact. Ici, magnifique. Ce dernier virage extraordinaire. Quel travail de Mathias Locatelli et de Guillaume Gleio. Ouh là 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 là, que dire. La battle arrive face à vous. Peut-être la petite finale. Peut-être un de ces deux pilotes. Enfin, lequel de ces deux pilotes va atterrir en petite finale? Lequel de ces deux pilotes va atterrir sur la grande finale? Si c'est Guillaume Gleio qui atterrit sur la petite finale, il va affronter son pote de toujours, Jérémy Mérien. Ses deux potes qui vont s'affronter. Si c'est Mathias Locatelli. Bah, ce qui pourrait être marrant, c'est que Jérémy Mérien affronte son propre véhicule. Oui, c'est vrai que c'est drôle ça. Ça, c'est vrai que c'est drôle. J'avais pas fait la remarque. Merci, Billy. C'est vrai que ça serait assez drôle. J'aimerais savoir une chose, c'est si le public nous entend toujours. Ah oh oui, on nous entend. On nous entend. Alors, victoire de Mathias Locatelli. Je lui ai dit. Faites du bruit, applaudissez les deux pilotes. Bravo à eux. Deuxième fois qu'il participe au championnat de France de drift, Mathias Locatelli. Je lui ai dit l'année dernière. Je lui ai dit cette année tu feras un podium. J'avais raison, je suis très très fier de lui, je suis aussi fier de Guillaume Gleio qui va se battre contre son pote de toujours, Jérémy Mérires. Et comme l'a si bien dit Billy, il va affronter sa propre voiture. La question c'est, est-ce qu'il a peur ou pas de la casser? La réponse est non. La réponse, posez-vous pas la question, la réponse est non. En attendant, est-ce que vous nous entendez bien dans le public? Est-ce que vous avez envie que ça continue? Est-ce que vous voulez voir la petite finale? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous êtes fatigué? Vous êtes fatigué? Est-ce qu'on va lancer cette petite finale ensemble? Je vais compter sur vous, on va faire le décompte comme hier, on va le faire ensemble une nouvelle fois. Oh là là là, quel public exceptionnel, je sais pas ce que t'en penses Vincent, c'est juste extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est la première fois que je vois ça au championnat de France de drift.
Vous êtes vraiment extraordinaire ici au Val d'Argenton. On a déjà hâte de revenir vous voir, vraiment. Et hâte de lancer cette battle avec vous qui va opposer Jérémy Mérirès face à Guillaume Gliot. Il est où mon chauffeur de salle? Faites du bruit, faites du bruit dans le public, faites trembler cette tribune. Mon chauffeur de salle là-bas. On veut vous entendre taper du pied dans la tribune, on veut vous entendre jusque de l'autre côté du village. Ah oui, on vous entend jusqu'au château depuis tout à l'heure, on vous entend, vous êtes comme des nègres. Déjà, rien que pour vous, vous pouvez vous applaudir vous-même parce que vous êtes les meilleurs avant même que les pilotes soient là, vous étiez déjà à fond. Donc vous êtes au top, voilà, ça c'est les chauffeurs de salle, une belle petite... Hola. Alors si vous savez quoi, en attendant que ça commence, on va la faire un petit peu mieux cette hola, parce que autant vous savez crier que vous ne savez pas faire une hola extraordinaire. Donc on va recommencer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec la partie gauche du stadium, la partie gauche des gradins, donc la partie qui est face à moi, qui est là à droite, pour le début de cette compétition. Ah bah non, mais du coup on va pas la faire maintenant parce que les deux pilotes arrivent pour la petite finale. On se la réserve pour plus tard. Voilà, c'est le départ avec vous en tout cas. On va lancer le départ ensemble, vous allez faire le décompte avec nous. Alors attention, préparez-vous, on va commencer. J'attends l'autorisation du directeur de course qui est à ma droite. Attention, je l'ai informé que c'est vous qui allez lancer le départ. On fait reculer Guillaume pour qu'il n'y ait pas de feu départ. Voilà, exactement. On va commencer à 5. Ok, on va commencer à 5. Comme ça, on est certain que tout le monde va prendre le train en route pour le décompte. Je vais attendre qu'Alex puisse prendre l'information auprès des pilotes pour savoir s'ils sont prêts. Alors, attention. 5, 4, 3, 2, 1... Allez, c'est parti pour la petite finale. Jérémy Mérirès s'élance face à Guillaume Gliot. Et il est bien parti. Jérémy Mérirès ici. Est-ce que Guillaume va réussir à aller chercher son copain de toujours? C'est compliqué, effectivement. Tom ici. Jérémy Mérirès, en tout cas, qui met de la vitesse et de l'angle et de la fumée sur son copain. C'est des pilotes qui ne sont jamais affrontés en compétition. Comme ça, ils ne se sont jamais affrontés au championnat de France. Ils ont déjà eu l'occasion de se battre largement sur d'autres circuits, sur d'autres trainings, mais ils n'ont pas eu la chance, surtout à ce niveau-là de la compétition, quand même, je le rappelle, on est sur la petite finale, et c'est déjà une super performance de Guillaume, c'est la première fois qu'on le voit lui à ce niveau de la compétition. Jérémy, on l'a déjà vu sur des très hautes marches, sur le podium de nombreuses fois l'année dernière, il n'a pas son titre de champion de France pour rien. Bref, c'est une belle performance déjà de la part des deux pilotes. Je suis sûr qu'ils ont la banane. Allez, on va refaire le décompte encore ensemble. Alex, j'espère que tu me regardes. Alors attention, on va commencer à partir de 5. 5. Attends, excuse-moi, je l'ai pas. C'est bon. Ah, je suis désolé, c'est pas passé. Là, on n'a pas eu l'info, en start line. Excusez-moi, je vous ai chauffé, mais je suis chaud moi aussi. Qu'est-ce que je veux dire? Je suis énervé, c'est comme ça. Il est trop chaud. Tom est trop chaud. Attendons. Les juges analysent les replays. De toute façon, ça tombe bien parce qu'on ne vous entendait pas. Donc, au moins, c'est réglé. Alors on va faire le décompte ensemble, on va voir si c'est bon. Je regarde le directeur de course qui est vers moi. 5, ensemble, 4, 3, 1, c'est parti, top départ du deuxième run de la petite finale. Allez, la battle s'annonce intéressante, hein. On a vu Guillaume Gliot un peu plus loin, peut-être que ça va permettre à Jérémy Mérirès de venir coller le copain ici au transfert. Il est déjà remonté dans la porte de Guillaume. Le dive ici peut-être sur le virage numéro 3 sur le clip intérieur. Transfert ici sur virage du raccord, clip numéro 6. Jérémy Mérirès qui arrête, ça glisse. Qu'est-ce qui se passe? Ça glisse. Qu'est-ce qui se passe pour Jérémy Mérirès? Non, il n'a pas cassé encore un cardan ou quelque chose. Ça ressemble encore à une casse mécanique pour Jérémy Mérirès. Quel retournement de situation. Pour Jérémy Mérirès qui arrête sa glisse, en tout cas, je ne sais pas quelle est la nature du problème.
On sait qu'il avait des problèmes de cardan jusqu'à présent, en espérant que ça soit juste ça. Malheureusement, ça le pénalise. Il doit arrêter son drift. Il doit perdre cette battle. En conséquence, on a le replay Zeknova ici. On splitté. Va voir le replay justement sur votre droite. C'est le deuxième run. On a vu... On a vu Jérémy qui était énervé, qui était comme d'habitude, prêt à aller attaquer cette Toyota Supra, qui est la sienne en l'occurrence. Le dernier virage, il est là, hop, il arrête. Sur la phase, encore une fois, de réaccélération, quand on doit relâcher l'embrayage pour remettre des gaz, les roues arrière, j'ai l'impression qu'elles n'ont pas oui, mais encaissé. La voiture s'est arrêtée vraiment vite. Si on a un cardan qui casse, à moins qu'il bloque la roue. Mais... C'est assez bizarre, il s'est arrêté. Apparemment, la dépanneuse s'en va, donc a priori, il a peut-être bouler. La possibilité de repartir, oui. Ou alors, est-ce qu'il faut appeler la grosse dépanneuse? Parce que ça, c'est la dépanneuse qui tire. Est-ce que c'est pas plutôt la dépanneuse qui doit tire. Lever peut-être c'est la grosse qui doit venir. Quel retournement de situation, encore une fois. Que on de rebondissements aujourd'hui. Grosse journée, vraiment. Rien n'est joué vraiment sur une course rebondissement. De drift. Jamais on a un rien n'est joué. Par rapport à hier. Ce qui est sûr, c'est que le podium n'aura rien à voir avec la veille, mais strictement rien à voir. Mais en tout cas, les personnes qui sont dessus n'ont pas forcément l'habitude d'y être non plus. On sait déjà que notre ami... Et on peut féliciter, on peut applaudir Guillaume. Guillaume Glion qui, par conséquent, remporte cette victoire. Victoire inédite de Guillaume Glion qui monte pour la première fois sur le podium du championnat de France de drift. Premier podium pour Guillaume. On peut l'applaudir, on peut faire du bruit pour Guillaume. Il va pouvoir remercier aussi son pote qui lui a prêté la voiture ce week-end. Bel exploit de sa part sur un véhicule sur lequel il n'a quasiment jamais roulé. C'est un exploit extraordinaire. Bravo, félicitations. Belle prouesse de la part de Guillaume Gléot ici, effectivement, hein, qui a réussi à s'imposer devant le champion de France en titre, Jérémy Mérès, en plus d'être le copain dans le paddock. On sait que sur la piste, il n'y a plus vraiment de. Il n'y a plus de copains. Il n'y a plus de copains. Le casque est mis. Sur la c'est piste. Un nouveau monde qui se met, qui apparaît devant nos yeux. Il n'y a plus de copains. Pareil. Mais c'est vraiment dommage, c'est malheureux. Deux abandons comme ça de Jérémy sur Casmeca. La battle finale. On va la lancer. Ensemble, et bien en attendant, tout à l'heure on a été bloqué, on a été oublié. Est-ce que vous m'entendez dans le public du Val d'Argenton? Est-ce que vous êtes chaud dans le public du Val d'Argenton? Alors on va la faire celle-là et on va partir de votre gauche. Si vous savez pas quel côté c'est le contraire de votre droite. Alors on va partir de tout le côté gauche des gradins, ok? Et cette fois-ci, on va pas le faire avec les bras, mais on va se lever en même temps. C'est-à-dire que on lève les bras, mais on se lève. Alors à 3, en partant de la gauche des gradins, je veux une superbola. 1, 2, 3, on lève à gauche, on lève à gauche, on lève au milieu. Allez, on avance, on continue, on lâche pas. Et ainsi de suite, voilà, ça c'est beau, ça c'est ce qu'on aime voir. Ça c'est une balle là. Bravo, faites du bruit, le Val d'Argenton. Et il va falloir repartir de l'autre côté, je crois. Il va falloir renvoyer l'appareil à vos copains. Ouais, il va falloir renvoyer l'appareil, c'est ça. Cette fois-ci, on va partir de la droite. À gauche, allez. On va partir de la droite à 3, 1, 2, 3. Ben, elle est déjà partie, on se lève, on continue. Allez, on continue. On lâche pas. Allez. Voilà, ça, c'est une super ola. Oh là 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 là. Je vous repose la question. On va faire un effet boomerang. Je vous repose. Il termine jamais le mec. Non, ouais. Je vous repose la question. Est-ce qu'on revient l'année prochaine? Je crois que c'est clair. Ça tombe bien, nous on a bien envie de revenir l'année prochaine. Après, il faudra demander l'autorisation au patron. Arnaud, écoute, si tu nous entends, je pense que c'est le moment. on va débriefer après. Mais en tout cas, je pense que c'est de bonnes choses. Écoutez, je pense que on va pas tarder à pouvoir lever la voiture de Jérémy Mérires. Là, on est en train de caler le remorquage sur l'arrière. Petite question dans le public. Ça va être une question main levée. Qui ne connaissait pas le drift avant d'être venu lever la main dans le public? Qui ne connaissait pas le drift avant aujourd'hui? Il y a quelques mains qui se lèvent. Et on va faire un truc plus stylé. Alors du coup, qui connaissait le drift avant de venir aujourd'hui? C'est juste histoire que vous levez les mains. Ouais, ça fait un petit peu plus de monde.
Et pour qui c'est la première fois, pour vous, qui c'est la première fois que vous venez sur le championnat de France de Drift? Levez la main pour qui c'est la première fois que vous venez sur une manche du championnat de France de Drift. Il y a des, ça veut dire qu'il y a des personnes qui suivent le championnat toute l'année. Bravo à vous, merci, merci d'être venu nous voir sur d'autres événements. Ça veut dire que vous êtes prêts à faire des kilomètres pour venir nous voir. Donc rien que pour ça, vous êtes les meilleurs. Où est-ce qu'on en est sur la récupération de la voiture? On accroche, on fait quoi? On accroche la voiture de Jérémy. Ouais, le dépanneur est toujours en train d'intervenir sur la voiture de Jérémy. Effectivement, on voit le dépanneur en train d'accrocher à la sangle. Voilà, il va tracter donc la voiture de Jérémy. On le voit remonter dans le camion et évacuer cette voiture afin de nous laisser place à la battle pour la finale qui va opposer Antoine Amar face à Mathias Locatelli. Antoine Amar, Mathias Locatelli. Ils sont prêts hein, déjà, les pilotes, ils ont fait chauffer les pneus. Ils sont à la fin de la zone de chauffe. Alors non, ils sont prêts à chauffer. Ils sont prêts à chauffer. C'est-à-dire que la zone de chauffe, elle est séparée en deux. T'as un véhicule devant, un véhicule derrière qui permet de chauffer. Donc dès que le véhicule est dégagé, on peut le chauffer. Alors. T'as le caméraman, filmez les gens qui chantent. Regardez-moi ce monde, présent. Ils sont même assis sur les escaliers. Il n'y a plus de place. L'année prochaine, il va falloir faire plus grand. Je pense qu'une deuxième tribune sera nécessaire. Eh oui, on vous voit dans le public. On vous voit sur les caméras. On vous voit faire coucou. Il y en a qui sont sur le live. C'est les deux seules personnes qui ont du réseau. Eh oui, on vous voit bien. Et bien sûr qu'on a les caméras braquées sur vous, alors que la voiture de Jérémy est en train de se faire tracter, je crois, en marche arrière. Oui, elle se fait tracter, on la voit à l'image. Hein, pour. Elle est dans une zone safe. Elle est dans une zone safe pour l'instant. Donc, ça va, mais je pense pas qu'on lance encore... La voiture en chauffe. On va attendre qu'elle soit dégagée. Les voitures sont en chauffe. Mais on va peut-être dégager. J'ai une Mérès qui dit coucou à tout le monde. Et on a tout entendu dans le micro. C'est tant mieux. Pour Locatelli. Et Cléo, on va ramener la planche. Voilà. La planche, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. C'est le bisutage. C'est la coutume de tous les podiums. Le podium. J'ai rien à dire. Et j'ai une question à vous poser dans le public. Est-ce qu'on refait un départ ensemble? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on fait le départ ensemble? Est-ce qu'on refait le départ ensemble dans le public? Je vous pose la question, est-ce qu'on fait le départ? Est-ce qu'on fait le décompte? Je vais le lancer au risque de prendre un beat si jamais ils m'entendent pas parce qu'on a des coupures de son là-bas. Mais en tout cas, j'ai le micro, on va faire le départ ensemble. On va compter à partir de 5, j'entends la formation de notre directeur de course. Attention, c'est bientôt à vous. 5, 4, 3, 2... Ah, top départ pour la grande finale du championnat de France de drift. Allez, c'est parti. Antoine Amar, leader suivi par Mathias Locatelli. Auquel angle Antoine Amar ici, très incisif sur le déclenchement. Oh là là, le contact, Locatelli qui vient en contact, il n'hésite pas à montrer à son adversaire qu'il est là et continue sur son petit bonhomme de chemin. Antoine Amar, il s'est pas déstabilisé. Locatelli qui commet une énorme erreur sur Antoine Amar, il vient le déstabiliser. Taper dans le train avant. Quelle erreur de Mathias. Qui arrête le drift également. Il vient bloquer la roue en fait avant
de trop généreux, Mathias, là. Un peu trop généreux. Il a plus tout donné, un petit peu trop. Il s'est pas avantagé, là, Mathias. Quel battle, mais quelle proximité de Mathias. Très agressif. Là, vous voyez, au fond du tracé, on voit Antoine Amar et Mathias faire des droits de gauche. Et pour savoir si la direction n'a pas été touchée. Effectivement, alors j'ai pour information qu'on va checker également de notre côté, là. Les trains roulants des deux pilotes suite à ce contact, parce qu'il y a eu une belle cartouche apparemment. Ouais, ça a tapé fort. D'après les membres du staff, ça a tapé fort. Ouais. On s'en rend peut-être pas compte ici à la télé, c'est vrai que ça a l'air léger, non, mais boum. Ça tape, hein, avec le ralenti, on va s'en rendre compte. Si voilà, la voiture se lève. Qui s'est élevée. Donc ça veut dire que les deux roues se sont montées dessus. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça affaiblit un petit peu les trains et autres. Donc là, il suffit de voir dans un premier temps, visuellement, on peut secouer la jante. Dans tous les sens. Et quand je vous dis secouer, c'est vraiment y aller de bon cœur pour savoir s'il n'y a pas une rotule ou un silon bloc qui est pété. Mais en général, c'est des rotules sur ces trains-là. On va vérifier des deux côtés, savoir si les deux pilotes veulent repartir en start line. Ça a l'air d'être le cas pour Mathias. La roue avant a l'air d'être en bon état. Hein. C'est surtout lui qui... Ouais. Alors, tu vas pas te rendre compte de grand-chose. C'est de l'autre côté que... Qu'Antoine a été touché par Mathias. Oui, c'est de ce côté-là qu'Antoine a été touché. Antoine a été touché de ce côté, effectivement. Mathias, c'est l'autre côté, par conséquence. Ça a tapé bon. Un peu. Je vois Antoine Amar qui lève le pouce en direction. On va faire le décompte encore ensemble. On a la caméra droite ici, Tom, pour la vue. Attends un petit peu, hein, pour le décompte. Voilà, dommage, j'ai pas fait attention. Du coup, ça a coupé un petit peu avec le drone. On va faire le décompte bientôt ensemble. Attention, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts dans le public. Allez, on fait le décompte ensemble dans le public. On va compter. Est-ce que vous êtes prêts? Attention. 5, 4, 3, 2, 1. Top c'est départ. Parti. Top départ pour Antoine Amar, Mathias Locatelli, le leader. Antoine Amar qui va devoir remonter. Antoine. Il va devoir remonter. Est-ce qu'il va réussir à tenir la cadence face à un Mathias Locatelli déchaîné ce week-end? Méfiez-vous parce que Antoine Amar, il a signé la pole pole deux fois d'affilée. Oh, là, je vois un petit peu en difficulté derrière, ouais. Il a un petit peu en difficulté. Il n'y a pas forcément trop de proximité sur cette battle numéro 2, en sachant que la première battle est largement en la faveur d'Antoine, puisqu'il s'est fait pousser en tant que leader sans forcément faire d'erreur particulière. Il accuse un petit peu le coup sur cette fin de tracé, mais. Wouh! C'était chaud, c'était vraiment très chaud. Je veux juste savoir si on a un résultat. Si nous avons un résultat, je peux descendre, vous rejoindre vers le public. On a un résultat, effectivement. Alors, je vais rejoindre les pilotes. Et je vais te laisser sur le live, Vincent. Bien sûr. Quelques minutes. Pour le temps de rejoindre le podium. Allez, donc on a pu profiter de ces replays splittés. Je laisse Tom se préparer à vous rejoindre dans le public. Si vous m'entendez, il va vous rejoindre pour vous faire le podium en direct. Voilà, on profite des deux replays présentés par Zec Nova. Performance d'ailleurs, voilà. Bob à l'écran qui va donner le résultat pour le vainqueur de la finale. Une voix, deux voix. Trois voix pour Antoine Amar qui remporte donc la manche numéro 2 sur le circuit du Val d'Argenton. Très belle victoire d'Antoine, très méritée. Mathias Locatelli qui ne démérite pas non plus, qui nous a fait un très très beau spectacle. Vous pouvez les applaudir dans le public, n'hésitez pas à faire du bruit. Vraiment, si vous nous entendez, si vous m'entendez, faites du bruit pour ces deux pilotes. Vraiment une journée exceptionnelle aujourd'hui qu'on a eue sur cette manche du championnat de France de drift. Podium assez inédit. Antoine Amar un petit peu plus habitué, mais Locatelli, Mérires, Gleyo notamment qui va faire son premier podium. Locatelli également. Donc voilà, on est-ce va qu'on nous attend ensemble encore. Voilà, est-ce que nous entend dans le public? Restez là ou on pour le podium. 1-2, 1-2.
1, 2. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Alors, derrière, ils m'entendent pas, donc je vais essayer de parler fort. Je vais essayer de les faire crier, mais ça va pas être très simple. Ça va pas être très simple. Une chose est sûre, c'est qu'ils nous ont régalé toute la journée. Ces quatre pilotes qui sont là, qui sont juste derrière moi, avec ce public. S'il vous plaît, faites du bruit, le meilleur j'entends. Ça c'est mieux, faites du bruit, le meilleur j'entends. Ils ont été extraordinaires tout le week-end. Eux aussi, ils ont été extraordinaires pendant deux jours d'affilée. C'est une compétition très dure, deux rounds d'affilée. C'est très dur que ce soit pour les mécaniques et pour les pilotes. Vous l'avez vu, il y a eu beaucoup de casse mécanique. Sans attendre plus que ça, je vais vous proposer d'accéder directement au podium. On va passer à la personne qui monte sur la quatrième marche. Enfin, qui monte pas sur une marche de podium justement ce week-end, mais le quatrième. Je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements aujourd'hui pour une personne qui s'est battue vraiment tout le week-end. Ça n'a pas été simple. Un max de bruit pour Jérémy Merivel, s'il te plaît. Quatrième. Quatrième, Jérémy. Quatrième, là-bas. Ouais. Non, il fonctionne pas, c'est tout. Mais ça va en sorte. Et on va continuer comme ça, il a affronté. Alors, je sais qu'il fonctionne pas chez vous, mais chez moi il fonctionne. 1, 2, ça ne change rien. Très bien, écoute, je rapproche le micro, on va voir si ça fonctionne là-bas, mais en tout cas c'est toujours pas allumé. Troisième à monter sur le podium ce week-end. Il s'est battu comme un fou. S'il vous plaît, un max de bruit pour Guillaume. Guillaume. Troisième ce week-end. Alors, je vais essayer de parler fort aussi pour vous parce que je parle très fort. Bah, je peux pas parler là, je vais essayer de profiter quand même. Il y a eu une finale, une très grande finale. Ça s'est pas toujours passé comme prévu, mais en tout cas, on s'est régalé. Donc, je vais demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour une personne qui monte sur le podium pour la première fois au championnat de France de drift. Un tonnerre d'applaudissements pour le second, Mathias Locatelli, mesdames et messieurs. Mathias. Retourne-toi là. Derrière.
Je lui ai jeté un petit regard malicieux parce qu'il est juste derrière moi. Il nous a régalé. Double pole position ce week-end. Rien que pour ça, je veux que tout le monde ici fasse un max de bruit. Même les photographes, même les médias, toutes les équipes ici. Un max de bruit pour Antoine Amart, vainqueur. Je fais que... Et c'est sur ces belles images. Voilà un podium magnifique qu'on se, on va s'abandonner sur, un podium aussi beau. On va se rejoindre pour le round numéro 3 à Croix en Ternois d'ici quelques semaines. Restez connectés sur les réseaux sociaux. On se rejoint bientôt. Moi, vous savez ce que je vais faire? Je vais leur faire faire une ola parce qu'ils m'entendent pas depuis tout à l'heure. Et je vais vous les faire gueuler. Vous allez voir, on y va. Salut, c'est Antoine de la SRG Drift Team. Je viens aujourd'hui vous présenter les pneus Eknova avec lesquels on roule en compétition depuis plusieurs années. Depuis qu'on roule avec, on est au niveau de voitures qui ont plus de puissance que nous. Rapport qualité-prix, je pense qu'actuellement, il n'y a pas grand-chose de mieux sur le marché. Donc je vous recommande vraiment d'essayer ces pneus, vous n'en serez pas déçus.